Hopla Let's go coaching Animal. Oula ouais. Oh là là, c'est quoi ce micro De quoi Qu'est-ce qu'il a mon micro Non, il t'inquiète, il est impeccable. On est bien. Franchement, on est bien. Les viewers vont passer un bon moment. Euh, moi, je vais passer un bon moment. L'important, c'est que tu passes un bon moment. Est-ce que tu passes un bon moment, Chao ah Là, actuellement, j'entends ton écho. C'est surtout ça. Ah, c'est dommage. Pourtant, ton micro est incroyable. Et le mien aussi, je ne vois pas quel est le problème. Ouais, c'est pour compenser quelque chose. Oui, absolument. <laughs> aïe, 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 attends, c'est quoi ton micro tout caca, là C'est un audio-technical, bazar, je l'ai depuis plus de 6 ans. Ok, ok, bon, je vais te dire le problème. Merci Accélère pour les 22 mois de phase scolarité. Euh, je vais te dire ton problème tout de suite. Est-ce que ton micro touche ta bouche Pas du tout. Ok, et il est là le problème au final, ok Attends, tu veux que je, le... je mange le micro <laughs> Absolument, je veux absolument que tu bouffes le micro. Et là, ça te va Ah, là, on va commencer à parler. Et là, ça va commencer à être un vrai micro. Audio Technica, c'est l'une des meilleures marques. Hein. C'était mon micro pendant 3 ans, donc je les connais bien. AT2020 USB. Si c'est celui-là, okay. je le connais très bien. Donc, AT alors. atr 0 ah, Très, très bien, du coup. Bon, tu peux faire en sorte que tu, tu continues de le manger ou pas Euh. Bah attends, si je le mange, faut que. Attends, on va regarder du Parce coup. Que... Cette merde là qui me chier. Ça te va là Oh la gueule, putain Ah <laughs> oui, 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 forcément. Euh, euh, ça va, t'es beau gosse. Ok. Bah là, c'est bien, là, c'est pas trop mal. Attends, par contre, je vais pas regarder le live. J'ai une sale gueule. Oui, bah ouais, bah, on a tous une sale gueule sur le live, t'inquiète. Bon, on n'aime pas trop sa tronche. Bon, déjà... T'as envie de te lancer dans le stream ou quoi euh, J'avais déjà tenté, oui. Ok, très bien. Tu veux, tu veux me faire plaisir Ouais. Ok, déjà, le l'AT2020, il a un sens d'utilisation. Mmh, ok. Il peut, il peut pas être mis dans n'importe quel sens. C'est-à-dire ouais. que par exemple, là, si je parle dans mon micro en étant bien au-dessus, c'est un certain son. Si je parle en revanche en étant genre derrière, c'est pas tout à fait le même son en fait. Et oui, c'est là qu'on je... qu voit que les micros, au final, ont un sens d'utilisation, chose que personne euh, ne se rappelle. Donc il faut le mettre en face de. Et déjà, et un autre truc le filtre pop ne sert à rien. Sérieux Ouais, ouais, ouais vas-y. Pourtant, pour j'avais vu une différence. Bah, comme ça, si tu veux un jour, tu te remets au stream, tu vas adorer. Voilà, là, j'ai retiré. Ok. Maintenant, va sur Windows. Ok. Clic droit sur ton, euh, si t'es sur le live, mais le live à la limite. Et c'est pas grave, euh, ta tête, euh, on a tous, euh, on a tous une tête euh, moche, hein. on est tous moches. Bon, enfin bon, quand tu mets en gros plan, c'est chaud quand même. <laughs> le but du jeu, c'est que t'ailles baisser. Euh, si tu trouves ce truc -là, là, les gars, si vous avez un micro à pied ou un micro comme ça, si vous avez décidé un jour de, je vous le dis en fait. Ce genre de micro-là, là. Bon, alors lui, il n'a pas le même que le mien. C'est un USB, ton de micro. Ouais, c'est un USB. Ok. Donc, ça, c'est un Go XLR. Enfin, c'est un XLR. Donc, c'est le top du top. En dessous, c'est les micros USB. Et en dessous, c'est le micro-casque. Mais si le micro, comme il l'a, il est mal utilisé, comme il le fait, alors la qualité est moins bonne qu'un micro-casque. Parce que le micro-casque, au moins, il a le mérite d'être devant la bouche. Ouais et ça c'est important parce que souvent on se dit ouais je vais acheter un micro à pied et tout avec un pied. On investit dans le truc et comme on l'utilise mal, et eh ben ça fait un son encore pire qu'un micro euh, casque. Euh, voilà Donc du coup, tu, tu trouves le truc que je t'ai montré sur le live là ou quoi Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Non bah, c'est excuse moi. Excuse -moi, excuse -moi. Non, moi. Okay. Ah oui, tu vois pas le live. Non. Là, maintenant. Alors sand euh là, oui, dans section son. Merde. Ah es, c'est pas ça. Euh, T'as été dans quoi euh, Paramètres son J'ai cliqué droit sur le... la petite euh, haut-parleur. J'ai fait ouvrir les paramètres du son. Ouais. Euh, open Sound Settings. Et après, tu as un truc tout en bas qui s'appelle contrôle Panel du son ou Panneau de contrôle du son, je pense. Attends, faut que j'aille dans Paramètres son. En plus, je suis sur Windows 11 donc je sais pas du tout. Euh... Ah ouais, l'erreur fatale Windows 11. Bon, oh, ça va, j'aime bien. C'est juste que pour leur repère, c'est galère. Pourquoi, quand euh... t'es en réU avec nous, t'as un son dégueu comme lui Parce que je suis sur mon ordinateur portable. C'est un micro de webcam. Justement, au final, le, 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 le truc que vous devez comprendre, tout dépend des levels, en fait. Je vais vous expliquer en deux secondes. Un micro, en règle générale, partons du principe que tous les micros soient les mêmes. D'accord Un micro-casque, un micro de webcam et un micro de PC. Partons du principe que ce soit tous les mêmes. Ce n'est pas le cas. Néanmoins, on va partir du principe que c'est tous les mêmes. L'utilisation, en revanche, n'est pas pareille. Si j'ai un micro-casque, il est devant la bouche. Et je ne veux pas qu'on entende ma. ma, 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 ma... Quand j'ai 15 ans, peut-être euh, ma maman ou mon papa en train de passer l'aspirateur derrière. Donc il faut du coup que les levels, à savoir la sensibilité du micro, soient extrêmement basse puisque je vais être très proche du micro. Ce qui veut dire que si je suis proche du micro, ça s'active et ça fait un bon son. je trouve. Bien. L'entendre, moi j'ai fait en sorte qu'on puisse l'entendre. Voilà, Alors, si j'augmente le truc, on n'entend plus rien. En revanche, si je suis sur un micro de webcam, il va ressembler à ça parce que je suis loin de mon micro, et donc du coup, le but du jeu c'est que si je suis avec toute la famille autour de moi, et eh ben il faut que la petite elle puisse parler, les gens puissent l'entendre, etc. Donc on augmente la sensibilité du micro pour que on puisse entendre beaucoup plus de choses. Mais malheureusement le problème de ça, c'est que l'avantage c'est que tu peux l'utiliser dans toutes les conditions et je peux aller chier à 6 mètres et tu m'entends. L'inconvénient c'est que déjà si je me rapproche, ça va saturer. Et en mm -hmm. plus, bah, ça fait un son de merde. Et j'explique un truc dans le chat. Donc qu'est-ce qu'on fait On rapproche le micro. Et on baisse le niveau. Et là on a un micro de ouf. Ou pas trop mal. Voilà. Du coup, euh, tu l'as trouvé le truc ou quoi Ouais j'ai trouvé, j'ai trouvé. Ok, super. Est-ce que tu peux faire en sorte que le micro il soit dans l'autre sens, genre vers le haut, comme moi, tu vois Oula, attends, va falloir que je genre que tu parles dedans comme si c'était une glace, quoi. Euh, attends, besoin. Ça n'explique pas pourquoi tu nous fais vivre la qualité dégueulasse de ton micro webcam. Parce que quand je travaille, je suis sur mon canapé avec mon portable. Je ne suis pas dans le studio euh, avec 6000 projecteurs et avec deux PC d'allumé. Ou trois même. Après, tu as un micro dynamique, ça amplifie le côté du son. On entend pas quand c'est loin. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est surtout que j'ai... Moi, j'ai un compensateur derrière. Il y a un compresseur. Je lui fais tout refaire. Bon, tu m'entends ou pas Ouais, c'est pas ouf. Bon, après, je peux le retourner dans l'autre sens. Fais gaffe, faut vraiment que tu ailles mollo parce que c'est très sensible du coup. Euh, si tu tapes dessus, genre légèrement. Ok, très bien. Dessus, du coup. Dessus, c'est au-dessus. Hein. C'est pas... Ah ah, pardon, moi, je... Et ça, il faut que tu parles là, toi. Comme si c'était une glace, en fait. Donc là, bah c'est le côté où il y a le, la okay. mousse en fait. Eh ben déjà, dès le début, on, va, on, sent une, euh, on sent une grosse amélioration pour nous. Ok, premièrement. Et après, du coup, tu vas dans le truc que je t'ai trouvé là. Ouais. Tu fais propriété sur le, le truc et tu as un truc qui s'appelle niveau. Clic droit propriété dans enregistrement sur ton micro. Ouais. Et tu as un truc qui s'appelle niveau. Ouais, il y a 100. Eh ben tu vas le baisser à 60 par exemple. Mets à 60. Okay. Là il est à 60. Bah là ça commence à être pas mal. Mets-le à 50. 5. Ouais, là, ouais. Ok. Là, est, et, là, du du coup, ouais. et du coup c'est moi maintenant qui vais augmenter ton son. Parce que là j'avais dû le baisser. et hey, vas-y maintenant parle. Euh, allô. <laughs> Parfait, t'es un streamer. C'est bon. Nickel, carrément mieux. Bah, et tu m'étonnes. Bon, ça maintenant, bah, vous voyez les beats. Ah, exactement. Là, on n'entend plus les sons du machin. Le micro, il est pleinement utilisé comme il devrait être utilisé. C'est absolument parfait. En plus, si tu vas sur Discord, tu as utilisé l'option Crisp euh, Oui, il est mis. Là, là, on a un bon son, là, pour le coup. C'est un, un super c'est un super micro. AT20, c'est un, un super micro. Bah, ça, ah. c'est des, des années à cumuler les... le matériel, ça. Bah, ouais, que tu. Euh, là c'est nickel ouais. Bah ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, après les gens peuvent te dire parfois ils t'entendent un peu bas, tu vois. Donc tu leur demandes d'augmenter de, de, ton son. Mais le but du jeu c'est que bah faut que tu parles vraiment dans... Et que tu touches le micro quand tu parles, quoi. Moi je le bouffe en fait. Je le mets comme un micro, il faut le mettre sur le menton, quoi. Mais bon j'espère juste qu'on n'entend pas ma, respira ma respiration. Euh non. Non, non. Enfin je pense pas, on verra tout à l'heure. Mais ça devrait pas le déclencher au final, c'est un bon micro. Euh, okay, du okay. coup l'homme à tout faire Bah ouais les gars et attendez 10, Presque 10 ans de streaming maintenant Il okay. est multitâche Et du coup tu verras que si tu veux rajouter le filtre pop Tu peux mais il sert à rien en fait C'est un truc euh, à deux balles pour faire stylé Et tout euh, euh, voilà quoi Le filtre pop du coup c'est euh, quand on fait Les ppppp -p 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 -p, euh, Bah ça, ça Voilà ce que ça va faire Ça va faire des mouvements d'air en fait ce qui, sont pas très, yeah. ce qui est pas très agréable voilà. Oui, bah c'est ça que j'avais. Euh, bah justement, quand j'avais lancé le config, c'était ça qui, que je retrouvais souvent dans mes vidéos. Pour ça. Ouais, bah là, je, je l'entends pas en tout cas. Nous, il n'y a pas de saturation sur l'épée. Ok, bon, on verra bien. Ouais. Ok, euh, donc ça, c'est fait. Et, et ben bah, voilà, bah, on amorce le, le vif du sujet du coup. On va parler de Rainbow Six, pas de micro du coup. Yes. <laughs> ouais, ouais. Euh, alors, du coup, attends, je sors mes notes. Hein. Je sors mes petites notes. Euh, Dupliquer BM, renommer BM. Euh, du coup, Chao flow, c'est ça Ouais, c'est ça. Ok. Show flow, je supprime ça. Tac. Je vais augmenter légèrement le son là. Tac. En vrai, tu pourras le remettre à 60 ou 70. Après, si les gens t'entendent pas très bien, mais pour nous, c'est mieux, tu vois. Bon, euh... je verrai ça quoi, avec le, le Discord de mes potes. Ouais, voilà. Euh, mais eux, c'est normal qu'ils te disent en oh, t'entend moins bien qu'avant. Mais surtout, ne retouche pas les levels, en fait. Euh, ok, ok. Du coup, prénom Florentin. Non, prénom, pas pseudo. Non, prénom Florentin. Mais c'est pas un vrai prénom, ça, Florentin ah. Ah, si, si. Ah non, c'est pas rire. possible. T'en as pas un autre <laughs> Ouais, j'ai mon deuxième prénom, c'est Bruno, si tu veux. Non, mais Florentin, du coup. Mais tes parents n'arrivaient pas à faire le choix entre Florent et Corentin et ils se sont dit, bon, on va mettre Florentin. Non, non, c'est juste que par rapport à ma mère, ma mère s'appelle Florence, donc ils ont. <laughs> et ton père Bruno. Bah, ça marche pas, du coup. Qu Qu'est-ce que je te dis On choisit pas son prénom et sa famille. <rire> ok. <rire> et la vie, ta Florence. Euh, ok, Florentin, je plaisante. Euh, âge 25 ans. 25 ans. Ville Yvetot. Ok. C'est où ça C'est en Seine-Maritime, en Haute-Normandie. Ah la vache. Haute-Normandie. Ok. Yvetot. Mesquin, le malaise qu'il est en train de vivre. Ah, j'aime bien mettre les gens extrêmement mal à l'aise, moi. Oui, euh... ça se ressent. Ah oui, toujours. Bah attends, t'as jamais regardé de coaching Si, si. Okay. Justement, j'appréhendais. Appré... J'étais un peu stressé tout à l'heure. Ok, j'aime bien stresser les gens. Encore un alcoolique, pourquoi Parce qu'il est normand Il y a du camembert là-bas. Ah ouais, vous allez faire toutes les références, bande de fils de pute ou quoi <laughs> Oui, bah c'est bon, ils... Hey, ils ont raison. C'est vrai. Euh, activité, tu fais quoi dans la vie euh, je suis technicien de maintenance dans une entreprise. Technicien de maintenance, vas-y, mais dis-nous tout là. Euh, quelle entreprise euh, euh, Ça consiste euh, en quoi C'est une entreprise qui transforme le plastique, donc un truc bien polluant. Euh, on, soit le plastique on le rend plus solide, soit plus souple. Et euh, hormis ça, euh, je joue à Warmer. Ok. Donc c'est tous les Warmers que je vois derrière toi là. Euh, ouais, et une autre partie qui n'a pas encore été montée. On appelle ça la pile de la honte. Ok. C'est quoi euh, Tu connais pas le Warhammer si si si, un... si 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 ah oui. si. Bah si si. Je, je, je passe de temps en temps voir Alpha Cast là euh... en train de peindre ces petits trucs là machin et tout. Moi j'adore j'adorais je trouvais moi j'ai toujours voulu m'y mettre. Hein. J'ai toujours adoré ça. Hein. Mais plus pour l'aspect peinture et collection que pour l'aspect y jouer sur un plateau. Mais Je trouvais ça incroyable. Hein. Moi, quand je voyais les mecs reproduire des dioramas de ouf et tout, euh, moi j'ai toujours fait de la, du modélisme. Donc bon, c'était plutôt. Je, je préférais peindre des, 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 des Messerschmitt et, et, et des Tigres 2 euh, que, euh, que des Warhammer. Quoi. Je m'y suis jamais mis, mais je sais que j'aurais pu tomber dedans. Je trouve ça incroyable. Moi. Bah, et puis là, t'as deux univers. T'as 40k qui est plus futuriste et t'as Age of Sigmar qui est plus Medieval Fantasy. Oui, mais il a toujours. Et tu sais la raison pour laquelle je m'y suis jamais mis Ça coûte cher. Non, oh, non, non, c'est pas grave ça. Euh, quand t'es passionné tu y vas tu vois Parce que le truc des warmers ça coûte cher mais en vrai euh, Ça coûte pas si cher que ça T'achètes pas 150 000 euros d'un coup tu vois à, à la fin quand tu fais le, le calcul De ce que t'as sur l'armoire ça va Mais au final t'y vas à coup de 20 euros De 30 euros machin euh, Parfois 200 ou... euros Quand tu vas acheter un spaceship ou un truc comme ça J'imagine voire même plus Mais tu vas pas dépenser des 1500 balles si Non 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 je suis pas à ce niveau là oh. Oui donc, ça le va, ça vie. reste une passion, Bonjour tu fumes pas. Team. Non, je fume pas, bon, ouais. l'alcool c'est occasionnel. Euh... Bon, bah voilà, non, ouais. mais c'est cool, c'est un super passe-temps en plus, c'est hyper cool. euh, méditatif quand tu peins et tout. Moi je trouve ça génial. Mais le problème pour lequel je m'y suis jamais mis, c'est justement la même chose que dans les jeux vidéo, je déteste l'époque qui n'est pas contemporaine. Donc, j'aime pas quand c'est trop dans le futur et j'aime pas quand c'est trop dans le passé. Et Warhammer, c'est soit trop dans le futur, soit trop dans le passé. Bah dans ces cas-là, il y a un autre jeu qui s'appelle Bolt Action qui pourrait te plaire. J'en eh ai, ouais. ai vu un de, des mecs qui ont fait un peu une espèce de jeu de plateau Warhammer, mais c'est que, euh, que du tactical. Euh, ça ressemble un peu à Jagged Alliance là, auquel je joue en ce moment. -là. Ils viennent de le lancer, les gars. Je leur ai demandé si je pouvais participer. Ouais. À la base, ils ont aussi fait un jeu qui, qui était à la base Rainbow Six quand même. Hein. Ils voulaient le faire en jeu de plateau. Quoi. Ça, a été une, ça a été un scandale, bah, une arnaque pour le coup. Le, hum, je dire le, kiki, le Kiss Kiss Bong Bang, mais le, il est toujours actif. Hein. Ouais, oui, bah, c'est une arnaque. Maintenant, il faut payer 300 euros, un truc comme ça, pour avoir la possibilité. Ça ne sortira jamais, c'est une grosse arnaque. Les mecs s'en sont foutus plein les poches. C'est une énorme arnaque, hein, euh, le truc de, de R6. Ils ont bien joué leur coup. Merci, Mister Coloscopy. T'es un monstre pour le, pour le sub. Donc, du coup, tu es technicien de maintenance. Du coup, tu fais quoi Tu te lèves euh, à 4 heures tous les matins T'es cariste non, je ne suis pas chariste. C'est moi qui répare les machines. Dès qu'il y a une panne, c'est moi qui les prépare. Euh, bref, si nous, on n'existe pas, euh, l'usine ne tombe pas. Et les machines, en l'occurrence, c'est quoi C'est des, des plastifieuses Des je sais pas moi, des... des espèces de gros malaxeurs qui sont chauffés à plus de 300, 200 degrés. Donc en gros, le plastique arrive en sous forme de quoi De granulé, et le, après, vous en faites euh, ouais, de la matière première Enfin, vous en faites ça, un ça, truc, enfin, un rouleau, un film ça, en fait, ça arrive en granulé. On les mélange avec d'autres du coup granulés euh, de différents composants. Et ça ressort, du coup, pareil, en granulé avec une extrudeuse pour être envoyé chez nos clients qui vont, eux, les transformer en bouteilles de plastique, en carcasses de bagnoles, en enfin, en tuyaux, enfin, plein de choses. Ah, OK. C'est quoi le nom euh, Polytex. Kenny euh, ouais. Barville. Ouais, parce que j'avais bossé pour un, un, un client qui s'appelait Plastic Omnium il y a une dizaine d'années. Ah bah c'est son... Je crois que c'est eux qui font les poubelles vertes. Euh, les poubelles vertes. Ouais. Ouais. Ah a a c'est une entreprise en de toute la France. Ouais. Plasticomium, c'est immense. Et c'est un de mes anciens clients, il y a une quinzaine d'années maintenant. Ouais, donc je vois bien un peu. Ouais, c'est hyper intéressant. Euh, du coup, on va parler de Rainbow Six maintenant. Souris. Ouais. Miens, euh, sou... putain, j'ai fait mes notes sur le côté. Euh, souris. Euh... razor Viper 8KHz. Je l'ai configuré en 1000 DPI. <laughs> tu m'as l'air stressé Un peu <laughs> Alors, tu, palpa, tu passes pas le bac là Non, non, non euh, oh. Ok, ça marche. Euh, Razer, Viper, fais-la voir la machine. Fais-moi la voir là. fais voir le côté, tourne là un peu. Elle Allez bien, chat Ok. Bon, ça on dirait une desader pour le coup. C'est à peu près ça, sauf qu'en gros c'est un format en bidex. Ouais. a plusieurs boutons sur les côtés, mais j'utilise pas les boutons euh, sur la souris ceux qui sont latérales. Trop lourd. Bon les mecs, Et... euh, la mienne fait 110 grammes. Euh... Elle ouais, est pas lourde. Pour... Attends. En tout cas, je pense pas qu'il y ait des pros qui bossent avec ça, mais bon. Razer, Viper. Comment elle s'appelle euh, Razer. Vape... Attends, Viper bon. 8K, non C'est ça. Bah, regarde en dessous. Ah oui bah oui bah ouais bah parfait parfait Razer Viper 8KHz ambidextrous e gaming mouse En gros il fallait que je change de souris et bah je suis tombé dessus euh, à Leclerc T'es gaucher ou quoi Je suis droitier Ok Non sinon à la base avant je tournais sur... Attends Je tournais sur ce machin là C'est quoi cette merde Mat4 <laughs> C'est Entrust euh, de 2014 ah ouais bah heureusement que tu la trustes plus hein. Ah oui de... J'étais à 2400 DPI avec ce bazar là. Bon ça a pas l'air d'être de la merde hein. Ouais mais c'est juste que pour... Quand je faisais mes shoots... Non non bah, pas, souvent, pas, moi, pas, pas, pas la... Non ta nouvelle. Ah la nouvelle. Ah. Je regarde ce que ça donne. Ça a l'air... Euh, worse quand même. En revanche je la vois jamais utilisée. Après, peut-être nouvelle, hein, je sais pas. Je, je vais pas regarder la date de sortie. Je ne sais pas si c'est noté, tiens d'ailleurs. Ouais, ils ont augmenté, ah, ils sont forts en marketing. Donc là, tu as un polling rate de 8000 euh, Hz. Oui, configurable. Euh... Bah, tu l'as mis à 8000 du coup. Euh, bah oui, évidemment. Mais j'avais testé en 1000 au cas où. Non. Bah J'ai bah, pas, bah pas vu de différence. Tu peux enfin, pas voir la différence. différence. Ok, ah oui. c'est une fréquence en hertz en fait. Ok, donc mm -hmm. c'est assez marketing. En gros, ils te mettent ça en hertz parce que 8000 c'est assez parlant. Mais en gros, en gros ça, peut être transmis en, ça peut être transcrit en, en millisecondes. Donc quand on parle d'une fréquence, normalement, arrêtez-moi si je me trompe. Mais quand on parle, la plupart du temps, 98% des souris gamers sont euh, en 1000 de polling rate. Oui. Euh, donc elles sont en 1000 hertz. La fréquence est à 1000 hertz. Mais ça veut dire au final. Que le lag entre la souris et le PC est de 1 millisecond. Donc, toi, ça doit être. Euh, J'arrive pas à faire le calcul, je suis un peu débile, mais ça doit être 1 huitième de 1 millisecond. Et je pense pas que. Entre. Euh, je pense pas que tous les processeurs sont en 1000 Hz. Bah, 98% des pros sont en 1000 Hz, puisque c'est ce que les, les souris. Je pense que c'est une fois de plus bien joué de la part de Razer d'avoir une... De, de, de le mettre en avant, une considération marketing. Parce que... Euh, bah non, ce ne serait pas 0,8, ce serait 0,2, non Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, 0,125 millisecondes. Ce qui est sûr, c'est que c'est absolument, indéniablement, impossible. Qu'un humain ah, wow. puisse voir la différence entre euh, 8000 Hertz, euh, 45000 Hertz et, euh, et 1000 Hertz pour le coup. Ce serait 4K bientôt la norme, mais on s'en fout en fait, tu vois. Enfin, je, je pense pas, hein. je pense pas que ce soit un problème, quoi. La preuve, c'est que euh, 1000 Hertz, ça fait 1 milliseconde, et 1 milliseconde, c'est voilà, du domaine de l'instantané. Il y a quand même d'autres éléments sur le PC, genre le render lag qui sont plutôt du domaine du 9 millisecondes quand même, tu vois. Hein c'est comme les écrans à millisecondes, ouais. Bah non, c'est pas comme les écrans à millisecondes. Un milliseconde est, de, est devenu une norme qu'on qu peut... Ok, on se dit, ok, c'est normal. En revanche, on pourrait considérer comme étant extrêmement marketing des boîtes qui vont mettre en avant le fait de dire, nous, notre écran, il est à 0.5 millisecondes. Et d'avoir des personnes qui vont se dire, ah, 0.5. Parce qu'on est rentré dans une considération, je pense, à un, à un moment qui est, qui, est, qui est infime pour être vu. Donc au final, c'est un peu la même chose que... Parce que les gens vont le comparer avec les Hertz d'un écran. C'est la même chose que quand on sera tous sur du 360 Hertz et que quelqu'un sortira un 370 Hertz. Parce ouais, qu'il y, chercher... y a un moment où au final, personne ne verra la différence, quoi. Oui, on voit une énorme différence entre 70 et 140. Oui, on voit une très belle différence entre 140 et 260. Oui, il doit y avoir une différence assez notable entre 240 et 360. En revanche, entre 360 et plus, je suis même pas sûr qu'on puisse là le voir pour le coup. C'est chercher la petite bête, quoi. Ouais, 1 Hertz égale 1 seconde divisé par 1, donc 1000 Hertz égale à 1 millième de, de seconde égale 1 milliseconde. Merci, euh, l'enfileur de perles. Donc, 8000 Hertz est égal à euh, 1 divisé par 8000. Mais euh, donc, 1, mi 1 8 millième de seconde. Donc, 0.8 millisecondes C'est ça Ou 0.2 millisecondes et je suis débile Donc, 125 ms. Non. 0.125. 0.125 MS. Ah. C'est monstrueux, en fait. Enfin, pas, on ne pourrait pas le voir, mais... Ah ouais, d'accord, ok. Il y a quand même une belle... Voilà, quoi. Un huitième, quoi. Ouais, bah, désolé. Euh, ok, donc 0.125 à la place des 1 qu'on a à l'heure actuelle. Ok ok ouais pardon en dessous de 50 millisecondes on considère qu'une image est subliminale en psychologie pour donner une idée en dessous de 50 millisecondes on considère qu'une image est subliminale en neuropsy ok ouais mais le principe de est-ce que le principe de l'image subliminale comme on l'utilise dans le terme euh, euh, genre si je regarde Fight Club il y a des images subliminales et je peux les voir quand même est-ce qu'elles apparaissent plus ou moins que les 50 millisecondes ou est-ce qu'au final on les a appelées images subliminales, mais au final ne sont pas vraiment subliminales. La définition de subliminal étant le fait que ça apparaisse, mais que je ne puisse pas me rendre compte que c'est apparu. C'est intéressant ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Docteur Skaze. C'est pas des vraies images subliminales. Non, c'est plus long sur Fight Club. Ouais, ouais, c'est pas ce que je pensais. Ok, mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Ça évite d'avoir du bullshit et ça mmh. ça permet de, de savoir quand quand commence. Euh, la, la vraie évolution, euh, quand, quand, quand commence le vrai impact technique, un nouveau truc, on peut se dire, ok, les, les hertz, c'est intéressant, là, là, et quand est-ce que c'est du bullshit marketing Et voilà. Parce que là, effectivement, ils peuvent mettre 8 fois plus rapide. Mais au final, bon, on est dans, on est dans des. Bon, bref, on s'en fout. Ah, c'était marqué, en fait. En une seconde, tout en réduisant le délai de 1 à 1 huitième de milliseconde. Bon. Après, si ça devient une référence, ça devient une référence. Bon. Bref, anyway. Bah, c'est pas une mauvaise souris. Enfin, ça n'a pas l'air d'être une mauvaise souris. Après, il faut pas que le capteur soit pourri. Quoi. Désolé, oh, mais non. ça, ça, ça m'intrigue. Euh, clavier, tu as quoi euh, Razer Ornata, Ornata. Ornata V8. Tu aimes bien le chiffre 8 ou euh... Pff, Non, c'est juste que quand je les ai achetés, bah, j'avais que ça sous la main. Ah, okay. Et encore ce, ce clavier-là euh, je l'ai dû changer trois fois euh, à la V8 fin. ou V3 Parce que V8, oui. je pense pas que ça existe. Attends. Euh... V3, tu veux dire, non V3, pardon. J'ai dû. Sur mes notes, j'ai mal noté. Enfin, regarde en dessous. Oui, c'est bon, c'est v... bien V3. Okay, okay. Un clavier de gaming, c'est du... Du... du méca, ça C'est Mecha, mé... ah, ouais. Non, non c'est méca, méca, méca non. membrane. Ça met un G2 j'ai le V2, V8 turbo compresseur, je pense que c'est plutôt un effet placebo. C'est du semi. Bon. Ok. Il y a mieux, mais c'est pas de la merde quand même. On peut pas dire que ce soit de la merde. C'est pas du clim quoi. Mais ok. Moi, euh, que écran que en Hertz. Non c'est pas mal, euh... c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. AOC 24 pouces 144 Hertz. Ah oh, ouais ça va, t'es équipé. Tapis de souris. Euh, un truc tout pourri euh, standard en 35-25 euh, cm. Ouais, ouais, il y a une échelle exponentielle, oui, Benz. Oui, oui, je vois. C'est un peu comme l'échelle le, de Richter, quoi quand les gens ou les décibels, par exemple. Quand les gens disent Oh, ça va, ça fait que 3 décibels de plus, mais ils ne se rendent pas compte qu'au final, 3 décibels de plus par rapport à l'échelle des décibels, du coup, c'est vraiment notable pour le coup. ouais. Quand vous, voyez, quand vous achetez une clim par exemple Et que la clim est à 60 décibels Et qu'il y en a une clim à côté qui est à 63 décibels Faut pas se dire c'est juste 3 décibels quoi. Ces 3 décibels là ils sont... vous, voyez, vous, écoutez, vous entendez vraiment la différence quoi. Ouais Comme, le de... Comme, les... Comme les décibels 3D ça double le son absolument anyway. euh, Tapis de souris du coup Oui j'avais dit c'est un... Bon, un truc pour... C'est un LDLC standard euh, en 35-25 Ah ça... Et il est en rigide parce que. Oh, ah pas Aïe aïe aïe, fais voir bah tiens, tu veux voir le truc J'en ai recommandé un autre, il n'est pas encore arrivé. Parce que celui-là, il est en train de se dépicher en bas. Il est en train de se. Euh, il est en train de s'arracher en bas. Ça se décolle. Dépicher, c'est un truc de normand ou quoi Ouais. Eh, <laughs> <laughs> hey, ok, ok. Euh, c'est une ardoise. C'est une. Ouf, ouais, on va dire ça, ouais. Tu t'en sers comme euh, comme plateau pour servir à manger ou pas Les sushis non, non. <laughs> Ouais, je prépare mes légumes dessus au pire. Ok. Je bon, ça, ça, ça pourrait être, euh, ça, ça, pourrait être changé quand même. Ça euh... va être changé. J'ai commandé un, un autre tapis euh, pour l'emplacer. Un truc un peu meilleur, mais en rigide. Pourquoi en rigide Ça pue la merde le rigide. Moi, je sais pas. Je me sens plus à l'aise dessus. J'avais essayé euh, l'autre coup un corsaire. Euh... Alors je sais plus c'était lequel, mais euh, justement que des, bah mou, euh, je me je me sentais pas bien dessus. Comment tu peux te sentir bien sur une plaque chauffante quoi Plaque chauffante. Bah sur ce truc, sur ton ardoise là, ça fait. <laughs> pas tellement. Enfin, euh, après après si je l'entends pas avec le casque donc. Euh... Euh, ça parle cauchois. C'est quoi cauchois C'est euh, du patois euh, en Normandie. Ok. Qui c'est qui a dit ça ouais, Quelqu'un dans le chat, il euh, y, a, y a des Normands ici. Ouais. quoi, mais c'est horrible les tapis. Moi j'avoue que le tapis rigide, je ne suis pas vraiment fan. On va en parler tout à l'heure. Bon. Euh, casque, du coup, je vois sur tes oreilles un Asus Rogue. Euh, de, de X quelque chose, je sais pas c'est quoi le nom. Rogue Theta 7.1. Ok, 7.1 que tu as bien sûr désactivé sur Windows. Euh, pas ok, du tout. ok. On va, va voir sur Windows. Clique droit sur l'endroit où tu as cliqué tout à l'heure. Ouvrir le sur le haut-parleur. Clique droit sur les. Euh, sur tes paramètres audio, là, enfin clic droit, open sound settings, hein, donc euh, ouvrir les paramètres euh, de son. Ouais. Pareil que tout à l'heure, le contrôle sonore euh, en bas là, sur Windows 11 qui doit être à peu près au même endroit. Euh, général, niveau, statique avancé, son spatial. Hein, quoi Où ça Où Hein euh, Bah là, je suis retourné dans les settings euh, de tout à l'heure, là où il y avait le micro. Ouais, ok. Et eh ben maintenant, tu as l'onglet le... avec euh... playback, enfin, euh, enregistrement, et le premier onglet, c'est écoute, non, je sais pas. Lecture, enregistrement. Ok. Et eh ben lecture, tu en as un qui est en train de s'activer, pas vraiment s'activer. Si, quand je parle, il y en a un qui doit être en train de s'activer. Oui, ah oui bah, c'était ah. le casque. Ok. Clique droit dessus. Ouais. Properties. Bah c'est bon, okay. je suis dedans. Le dernier onglet, c'est quoi Son spatial ah. et il est désactivé. Ok, et juste avant, t'as euh, euh, le troisième truc, ça, amélioration. Euh, j'ai statistiques avancées. Dans les onglets on va... ouais, mais le, le deuxième truc, ou où... Il y en a un qui s'appelle ah. amélioration Dans les onglets mmh, Non, j'ai pas. Dis-moi les onglets. Alors, dans propriété de haut-parleur, j'ai général, niveau. Statistiques avancées Et son spatial Ah c'est marrant Il a pas Windows 11 Il a pas cette merde là Parce que De temps en temps Putain la vache Je sais pas où euh... Pff... Essaye de te renseigner Sur Google à un moment Pas maintenant Mais à la fin ouais. du live Pour mettre euh, Désactiver le 7.1 Sur mon casque quoi En sachant que Normalement si on va le faire Dans ton Truc moi, je vous conseille toujours de, 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 de cliquer là-dessus. Là, hein. Il y a marqué désactiver toutes les améliorations en hein, français. Donc, lui, il ne l'a pas. Et le Spatial Sound, pareil, il faut mettre en off. Quoi. Euh, ici, c'est mieux. Ou en haut à droite, on s'en fout. Euh, ou en bas à droite, pardon. Néanmoins, tu dois avoir peut-être un logiciel avec ton Asus ROG. Oui, c'est euh, Armor, euh, Armory Crate. OK. Euh, bah, Est-ce que... T'as regardé dedans s'il y avait le 7.1 qui était activé. Oui, il est activé et euh, il y avait le surround virtuel pour tout avoir ça, les sons. Tout faut désactiver. Ou... Hop là, tout ça faut désactiver. Ah bon pourquoi c'est euh, bien d'entendre de derrière et sur les côtés et devant, non Bah ben oui, mais c'est la même chose que OK. Il y a pas le 7.1, ça n'existe pas dans un casque. Okay, le principe du son du 7.1, c'est il y a sept enceintes, donc sept points d'entrée ou de, de, de lecture, et mm -hmm. un caisson de basse. C'est ça un hein, ouais. 7.1. J'ai sept enceintes, sept satellites, et un caisson de basse. Dans ton casque, tu n'as rien, tu en as deux. Tu as un ouais. écouteur à gauche, un écouteur à droite. Donc c'est du stéréo. Ok, okay. C'est simple. Tu as gauche et droite. Le fait qu'il y ait une spatialisation. Donc que tu puisses entendre une sorte d'effet 3D, ok, mmh. pour te donner une impression de hein tout ça, c'est du virtuel. Oui. D'accord, c'est pas réel. C'est le, 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 le casque au final qui va, euh... enfin c'est le logiciel qui va faire en sorte de te de, de, de simuler une sorte de 3D, ok. Donc okay. le problème de ça, c'est que si le logiciel il est bien, ça va. Si c'est pas bien, bah ça fout la merde. Le problème de ça aussi, c'est que le jour où tu voudras changer de casque, tu devras reprendre le même avec le même logiciel. Et parfois, le logiciel, il est à jour. Bref, ce qu'on veut, c'est pas faire confiance au logiciel, en fait. Et mm -hmm. fais-moi confiance. J'avais un Corsair Vengeance 1500 V2. Et moi aussi, et quand j'ai gagné la Pro League, j'avais le son surround. Et j'étais toujours en train de dire son surround, son surround, son surround. Laisse en stéréo, désactive le surround. Tu verras que tu pourras faire, tu auras des sons mieux, plus précis. Euh, maintenant, il faudra... Euh, je t'expliquerai comment aller chercher la 3D. Ok, bon là, je l'ai retiré. L'effet croi... 3D est créé avec de la réverbe et en retardant les sons. Déphasage. Donc ça te masque des sons d'ailleurs, absolument. Bah, puis même des fois, j'ai l'impression que ça confond parce que, par exemple, si j'ai un son qui vient sur ma droite et que je suis à l'étage, des fois, j'entends en bas, et en haut et en bas en fait. Et c'est terrible. Ouais, bon, désactive toutes ces merdes. C'est fait, c'est fait. Ça fait bizarre de retourner à l'ancienne. Ok. Euh... Ok, enlevez tous la virtualisation de votre son, les amis. Euh, connexion, ping. Alors ça va te faire bizarre. Aujourd'hui de toute façon, ça va te faire bizarre. Tu vas sortir de ta zone de confort. Moi j'insiste pour moi ton tapis de souris c'est nul et tu devrais pas taper passer sur du tapis souple. Et si tu me dis j'y arrive pas machin truc bidule bah justement il va falloir sortir de sa zone de confort. Là tu mmh. peux pas. Il y a un moment il y a des trucs qui vont pas être agréables quoi tu vois. Oui, oui, oui Ok. On... Ouais. on va le voir. Euh... T'as quoi en ping? Je suis à entre 12 et 20 ping Ok donc très bien euh, C'est quoi ta sensibilité horizontale verticale 13-13 euh, C'est la tienne en fait J'avais essayé différentes configs De différentes personnes Et il n'y a que la tienne qui me va pour l'instant C'est vrai Sachant que je suis en ouais. 10-10 moi euh, sur, ton... sur ta vidéo t'étais à 13 Quoi Quelle vidéo plus... Euh... Alors, je crois que ça, c'est pas la dernière qui est sortie, c'est une autre d'avant. 10, 10, 35 depuis décembre 2015. J'ai pas changé. Je, bah change, qui... je change jamais. En revanche, j'ai pu te parler du fait que chez Echo doit être autour de 12, 13. Ouais, ça c'est possible. Il y a moyen, mais Et... pour moi, j'avais pris sur. Euh... En, en tout cas, ce des... que je veux dire, c'est que 13, 13, c'est pas déconnant. C'est pas moi, mais c'est mmh. pas déconnant du tout. Et c'est peut-être mieux que 10, 10. Après, Pourquoi ça dépend de tes DPI. T'as combien de DPI <laughs> Euh, attends, <laughs> déjà je retourne sur mes settings. Euh, DPI, je suis à 1000, parce que le 800 je le trouve trop lent. Oui, bah, quand t'es habitué à une 2400 euh, de DPI, c'est chaud. Florentin, mec, c'est pas possible franchement. Là, c'est pas possible. Là, il y, y a un chat qui pète dans la rue, ça fait bouger ta souris, frérot. <laughs> 13 de DPI, c'est 400. 13 en sensibilité sur Rainbow Six, c'est 400, 500. Euh, je ne veux même pas entendre parler de trop de plus de DPI euh, sur un, sur un 13-13. C'est 400, 500, quoi. 1000, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, ça vient consolider ce que je voyais, ce que je me disais tout de suite. Parce que le problème, il part de là. Ton tapis de souris, un, il est trop petit. Donc, du coup, <laughs> euh, bah forcément, tu ne te sens pas agréable. Tu dois sortir tout le temps de, du tapis de souris. Et, et, et mmh, deux, ouais, bah n'avait jamais arrivé de sortir du tapis de souris bah tu m'étonnes t'as mis, so mis une 106 ou tu fais un 3 si tu fais tu fais un 1080 en soufflant Pff, hop là t'as fait trois tours vu le tapis de souris il a peut-être pas le choix et voilà oh. c'est pour ça que je vous conseille toujours un certain tapis de souris il faut, un, il faut un terrain de jeu les mecs il faut un terrain de jeu en fait si vous voulez vous améliorer sur Rainbow Six ça part déjà dans, 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 dans ah, un truc bien avant le tapis de souris il vous faut la place si vous n'avez pas la place, en fait, vous allez faire. Euh... Ah, c'est. Où est-ce que j'avais vu ça Merde. Oh merde, où est-ce que j'avais vu ça Je sais plus, mais tous ces trucs de. 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 de, de, de... Vous le savez, vous le savez que notre corps humain, il a une capacité à compenser les choses au final. Et les ouais. animaux, on compense au final. Si demain on commence à, à, à mettre les mauvaises chaussures, on va s'y habituer. Mais on risque de se. Pour ça, on risque peut-être de, de se décaler le, le, le bassin. On risque peut-être de sniquer le dos. Parce que tout est lié au final. Mais là, c'est un peu la même chose. La taille parfois du bureau fait que les gens vont prendre des petits tapis de souris. Et parce qu'ils ont des petits tapis de souris, ils vont augmenter leur sensibilité. Pensant du coup que la sensibilité, ça va, nanan, je suis confort avec ça, etc. Alors que ça passe juste de la taille du bureau, quoi. Donc on va partir déjà de ça, il vous faut pouvoir poser le clavier devant vous et il faut que le tapis fasse à peu près la taille du clavier avec un pavé numérique hein. Je ne parle pas de clavier TKL please mmh. et que ce soit et qu'ils puissent tous les deux les uns être l'un à côté de l'autre. Voilà. Et ça normalement, ça fait entre 90 cm et euh, 1 m 1 5 pour les joueurs qui vont prendre le plus de place. C'est ça qu'il faut. Est-ce que tu as de la place sur ton bureau euh, Ouais, j'ai assez de place. Oh, il... Oui. il est fait main. Impeccable. Eh ben, ton tapis de souris, il dégage parce qu'il pue la merde et tu seras mauvais dans tous les jeux à cause de ça. Oh. Et derrière, tu prends un tapis de souris, tu prends du style series, de l'IcePad. L'autre que tu as acheté, tu le, tu, tu, tu le renvoies. Tapis de souris rigide, c'est pas bon. Après, si tu me dis, moi j'ai envie d'être confort, j'ai envie d'être un joueur casu et j'ai pas envie d'être très bon dans Rainbow Six, vas-y. Moi, je te donne les éléments pour te dire... Prends ces chaussures-là, ça va peut-être être inconfortable pendant deux semaines, mais tu verras, tu deviendras un meilleur joueur. Mmh. Tapis de souris, okay. souple. OK y a, y a, Là, c'est... Un... En revanche, là s'il y a bien un truc qui est cool dans le tapis de souris, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire de mauvais tapis de souris. Tu vois Ils sont tous faits au même endroit. 98 sont faits en Chine. Quasiment tous dans les mêmes usines. Donc, voilà quoi. Donc, BenQ, Razer, SteelSeries, euh, euh, QC... Euh, comment, oui. il la marque. voilà. QCK, euh, comment il s'appelle Voilà. QCK, comment il s'appelle déjà le, le, le quick là. QCK c'est l'un des moins chers. C'est le série, c'est pas ouf en hein, tapis de souris. J'ai un BenQ, c'est bien. Ouais. Meilleur tapis de souris que j'ai eu de toute ma vie. Après, si vous voulez vous faire plaisir, bien évidemment, vous allez acheter. BenQ Oui c'est la même marque. Euh... Si vous voulez acheter du, 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 du truc de ouf, allez-y, faites-vous plaisir avec de l'artisan, des trucs comme ça et tout. Voilà quoi. J'ai un tapis de souris, flow up, t'en penses quoi bah Franchement, si ça fait le taf, ça fait le taf, tu vois. Un tapis de souris, c'est pas difficile d'en avoir. Il me semble un peu rigide ton tapis. Quoi Le mien Bah non, c'est un tapis... Bah, regardez, il euh, y a les références si vous faites point l'exclamation setup. C'est un, un tapis normal. En revanche, moi, il n'y a pas beaucoup de friction. ouais c'est tout. Et il est parfait. moi ouais, c'est tout. C'est la, la seule référence de tapis de souris que j'ai mis dans pour l'exclamation setup, de toute façon. Euh, tu le laves ton tapis de souris ou pas Ouais, il passe en machine. Il passe en machine sans problème. Si vous ouais. voulez un bon tapis de souris, vraiment, si vous voulez qu'on rentre dans les considérations, un, un bon tapis de souris déjà, il a forcément un revêtement néoprène devant. Ok Deux, un bon tapis de souris, il a forcément un système antidérapant derrière. Là, en l'occurrence, on est sur du. On est sur. Euh, on est sur un latex un peu. Euh, un truc un peu caoutchouteux au final. Voilà. 3. Un bon tapis de souris fait plus de 5 mm d'épaisseur. De, de, et 4. La couture extérieure existe. Il y a forcément une couture extérieure. Autrement, eh bien, euh, il va y avoir forcément un moment. Euh, euh, au fur et à mesure qu'on va l'utiliser, le skin du tapis de souris, la peau, va, se, euh, va partir. Et c'est ça qui fait que ça tient. Et lui il est passé, ça fait deux ans que je l'ai passé une dizaine de fois en machine à laver, impeccable, jamais bougé. Voilà quoi. Ça va non, ça va pas s'effriter, ça va euh, euh, comme quand on pèle en fait, il va peler le tapis. Et ça c'est nul. Ouais euh, non pas des pluches, ça va ça ça, ça si ça fait des pluches c'est que c'est pas du la qualité est pas bonne. Euh, non ça va euh, le... ça va peler en fait la peau la peau du tapis de souris, c'est plusieurs layers un hein, tapis de souris. En règle générale tu t'as trois tu as trois couches. As une toi qui bosse dans le plastique tu as un layer de, 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 de latex un truc antidérapant tu as un ouais. truc qui est une espèce de coussin au milieu au final pour donner un aspect moelleux qui doit être euh, je ne sais quoi et au dessus tu as une fine couche de au final ce qui est de ton revêtement ok un tissu et ça c'est mmh. trois couches minimum dans un tapis donc si tu les coupes pas s'il y a pas de couture sur les extérieurs bah du coup euh, il, à un moment les couches se séparent puisqu'elles sont collées entre elles et ça ouais. c'est hyper relou et donc du coup, ce truc là, là, il faut que le, la couture, vraiment, si on rentre dans les détails, hein, et c'est pour ça que il faut que la couture, elle soit assez solide pour tenir les trois couches, mais il faut qu'elle soit pas trop grosse pour créer une sorte de différence de niveau au niveau de la jointure. D'accord. Attends, mais ça c'est pour le chat hein, que je parle. Attends, pour toi. Oh, mais non, mais j'écoute aussi en même temps. Donc il euh, n'y a, 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 a pas de trottoir. J'ai mis six mois avant de, tape, de choisir le tapis de souris. Je suis allé voir sur Reddit des mecs qui faisaient des tests de friction pour savoir quelle était en newton <laughs> la, oh. la rétention, le stopping power. Donc les gars se sont amusés à prendre plein de souris, à les faire glisser et à calculer le temps d'arrêt pour voir quand est-ce qu'ils s'arrêtaient. Moi, j'ai pris un qui glisse pas du tout, du coup. Incroyable. Jamais. Moi, je pourrais vous en parler de trois heures de mon tapis de souris, si vous voulez. Sérieux Ah, mais ouais il m'a fallu les ouf. Ouais, ouais. Ils ont fait un truc au final où ils ont inventé un système où ils ont pris une, ba une, une balance, les balances euh, que tu pour peser de la, des pattes là. Et au final, bah ils l'ont. Non, enfin, euh, le truc pour peser le, le, les poissons avec un crochet, tu vois. Et ils ont pris ça et donc du coup, ils venaient calculer comme ça euh, quelle était la pression exercée en Newton euh, pour. Euh, sur un plan incliné, ils mettaient la souris et à quelle inclinaison la souris se barrait, quoi. Définissant du coup le stopping power. Et un truc dont on n'entend jamais parler, parce qu'à chaque fois, euh, les, 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 gros, les, les gros mecs, euh, les, les grosses boîtes qui sont matrixées euh, et qui nous parlent de l'e-sport, du truc, du machin, dans les tapis de souris, ils nous parlent de la taille. Est-ce que c'est un XXL ou un XXL Les tapis de souris deviennent des tapis de clavier, parce que bah, c'est plus facile à vendre pour Jean-Michmus qui comprend rien, tu vois. Et est-ce qu'ils sont RGB ou pas Ou à induction pour certains d'entre eux alors que le vrai truc qu'on veut tous savoir, c'est quelle est la qualité du revêtement en fait. Tu m'as convaincu, j'achète. Bah, si vous, franchement, ce tapis il est incroyable. Franchement, euh, 64, mon marketeur. Ah bah ouais, mon BenQ Zoe et Pixel, il est incroyable. Et il a, et alors le, le seul problème, le seul problème parce qu'on peut rentrer dans les, moi je peux vous en parler une heure. Le, le, le BenQ Zoe, quand il arrive, la plupart du temps il a été stocké pendant très longtemps, ok? Et la problématique du latex, de ce genre de latex, ça sent le pneu. Et c'est hyper nocif. C'est genre hyper nocif. La première fois que je l'ai ouvert, je l'ai pas lavé. J'ai streamé avec, j'ai voulu le tester. Et ça, je me souviendrai toute ma vie. Hein. Ça m'a fait des, des, des maux de tête. Ça m'a... Réel. Merci Nokeys. Visiblement, il y a quelqu'un qui a le même que moi dans le chat. Ça m'a donné des maux de tête. Et j'ai dû arrêter de streamer parce que j'avais la nausée. Voilà. C'est à peu près la même chose que les pneus que vous trouvez dans le foot, le, le, le five quand vous allez au five, les trucs noirs là. Ça pue, c'est une infection. D'ailleurs, ces trucs-là sont nocifs hein. quand il fait chaud. Le, le five normalement devrait jamais utiliser ces trucs. C'est interdit par la loi. Ça. Ah bah, bon. vaut mieux pas que tu viennes chez nous. Mais il, pris, non, non mais tout le monde n'utilise que ça. En vrai, normalement, la loi de, oblige tous les, tous les mecs comme ça à n'utiliser que du liège, mais le liège coûte beaucoup plus cher. Bah, bon. Bref, donc il faut laver ce truc-là et après les émanations de je sais pas quoi euh, se barrent. Et ça, ça en fait le tapis le plus incroyable au monde. Voilà. 50 euros quand même. Euh, non, je pense qu'il est à moins cher. Ah bah ouais, j'ai pas pris. Euh, voilà quoi, vous voulez un tapis de souris pas cher Franchement, les, les, les QCK là, très bien ça. Bref, donc on va en reparler parce que ça va se voir. Sensibilité à DS. Euh, les mêmes settings que toi. T'es sûr cette fois ci Oui, Alors si tu veux, je peux te les énumérer. Euh, agrandissement x 1, 25, 1,5, 41, 2, euh, 42, 2, 5, 43... Attends, 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 attends. lis-moi juste les settings dans, dans l'ordre, pour le coup. Euh, bon, bah, 25, 41, 42, 43, oui, 43... Oui, c'est moi. Et 24, 78, 24. le dernier Euh, non, 68. Bah, ben, c'est peut-être toi qui as raison. On va aller voir, hein. C'est bon, c'est toi qui as raison. Parce que je l'utilise jamais, donc euh... ouais 25, 41, 42, 43, 43, 44, 44, 68. Yes. Ok, donc ça c'est moi en revanche. Mais en revanche, je suis bien en 10-10. Oui. Je suis en 10-10 euh... sur 400 DPI avec une souris qui fait plus de 100 grammes et avec un tapis avec un force stopping power. Donc, il, il ne glisse pas du tout mon tapis. Enfin, il glisse pas. Là, si j'envoie ma souris comme ça, elle va à l'autre bout, mais pas autant mmh. que les tapis très, très 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 lisses pour le coup. Euh, du coup, euh, graphisme moyen en FPS. Euh, attends, quoi euh, T'es FPS, pardon, excuse-moi. Mais FPS, euh, 143 euh, de moyenne. Ok, donc tu les, as, tu les as stoppés pour me sortir 143 euh, Je l'ai pas stoppé, non. J'ai fait un étalonnage et il m'a fait une moyenne. T'as quoi comme carte graphique euh, une 2070, euh, super. Et t'as que 143 de moyenne Ouais. Tu joues en Vulcan euh, Oui. T'as essayé sans Vulcan le, le, le benchmark oui, J'ai essayé les deux et c'est le Vulcan qui est mieux. Hum. Tu, tes graphismes, ils sont minimum euh, Texture moyenne, ouais. Les détails sont en ultra, le euh, shading en moyen, oh, oh, les oh, ombres oh, sont en très ça élevés. les détails sont en ultra Il n'y a rien d'ultra, hein rien du tout. Ah bon Ah oh bah ouais, non, à moins que tu veuilles streamer, mais euh, moi je le fais pour le chat, quoi. Et encore, je suis pas en ultra sur rien du tout. Euh, attends, on va aller voir Graphics. Voilà, quoi. Texture, qualité, médium chez moi. Euh, moyenne, pareil. Ok, ensuite euh, Anisotropie x16. Ouais, tu peux, tu peux le descendre d'un cran x8 du coup ensuite euh, bah détail du coup je l'ai mis en ultra ah le load ok d'accord Oui, bah tu peux descendre à high oui okay. bon c'est la, la distance d'apparition bon c'est pas très très grave en gros le load c'est parfois quand tu fais des trucs où tu dézooms et tu zooms il y a des trucs qui apparaissent et quand tu zooms ça disparaît ça c'est un peu relou genre sur open space sur des grandes distances et tout bon si le pc il a du mal euh, voilà quoi pas bon, très... ça cr il, il crache pas ses poumons ça va très bien tu le souffles un peu le PC de temps en temps ou euh, oui 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 il y a même une grille euh, pour euh, attraper ouais, ça... la poussière. Oui mais et ça. Et je fais l'intérieur en plus. Ok. Euh, et derrière t'as fait comme moi t'es à 500 en bas euh, Où ça attends es où Tout 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 en bas. Euh... Tout 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 en bas. De, des graphiques. Attends je vois pas où c'est. C'est l'anti-aliasing. Euh, il est où l'anti-algésine Anti-grenelage. anti, anti, euh, anti il est en FXAA. Non, TAA, du coup. Sur une 2070. Oh ah non. En older hardware. Pff, oh non, franchement, 2070, ça tape. TAA 100, là. Voire même en off. Moi, hein. je, A, en... A, je mets tout en off. Ouais, là, là si vous êtes en mode Shaco, allez-y, quoi. Hein, vous mettez en off, quoi. Hein. Mais en vrai, moi, je peux pas, parce que. Pff, Déjà, je trouve ça pixel en TA, et puis parce que je stream, j'ai pas envie que des gens qui n'ont jamais vu Rainbow Six se disent c'est quoi ce jeu dégueulasse en fait. Bah c'est ça justement, c'est pour ça le... en TA j'ai vu les, pic... enfin, les pixels, les Les granulés, je trouve ça moche. Ok. Mais TA c'est propre pour le coup. Mais tu bon. t'étais en TA 500? En dessous J'étais euh, en dessous de non, donc en TA. Et j'étais à 100 partout. Mais pas le Adaptive Render Scaling, on est d'accord, ça. Le, le truc qui est juste en dessous danti aliasing qui n'avait pas touché. Non, ça c'est à 0. Mmh. Et après, 100, 100. Ouais, ça. Bah non, franchement, mets-toi comme ça, tu verras, ça va le faire. Bon, on va réessayer, mais... Bien ouais. sûr. Mais si... Ok. Euh... DPI du coup. Bon, là, on va s'engueuler du coup. Oui, bah. Combien Tu peux me rappeler 1000. Que tu vas. Euh... <laughs> Joyeusement redescendre, c'est ça Bah. Il est là le problème. Oh, putain. Quoi Ouais, tu mets ma gueule en gros plan Mais, mais pas le stream euh, <laughs> Mets le en pause Les gens veulent te voir Non mais 800, 700 c'est ok 700 sur du 13-13 Vous avez fumé du, du crack Ou comment ça se passe 700 sur du 13-13 hein. On est en train de parler hein. Hein Coupe la cam si tu veux pas qu'on te voit Mais c'est nous qui demandons la cam moi, Il faut qu'il soit... 413-13. 413-13, c'est bien, ouais. J'ai 700 sur du 16-16. Les amis, juste un truc, quand vous me dites moi j'ai, rappelez-nous votre niveau aussi. Si vous êtes champion, champion, pas en dessous, vous pouvez nous dire votre settings. Si vous n'êtes pas champion, peut-être que l'une des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas champion, c'est justement vos settings. Donc vous pouvez pas me dire, moi je suis en 16 000, 40-40, ça marche très bien. Mais t'es quoi, silver Bah non en fait, ça marche pas. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire ou quoi J'ai 800 en 16-16. Juste les champions qui peuvent se parler. Champion, 412 12 Merci Enoch. Déjà 11-11 en 400, je trouve ça pas mal MDR. Alors 13-13 en plus 700, bah ouais. 800-3-3. Oh C'est light. Je suis en 410-10. 1.0, j'ai 35, ouais, comme moi, quoi. Gold 2, 9-11, 1400 DPI. <laughs> euh, tu conseilles combien en 800 Bon, 10-10 max. Je pense. Après, tout dépend du ratio. Attention, tout dépend du fauve. Plus le fauve est grand, plus ça augmente la sensi. 412-12. Mais Blue GD, vous êtes quoi, les gars Avec tout le respect que je vous dois. Le but du jeu, c'est pas d'être une compétition de kiki. Ok C'est pas d'être une compétition de kiki. C'est de comprendre que votre sensibilité n'a aucune valeur à partir du moment où vous n'êtes pas le rang maximum du jeu. Autrement, vous vous prouvez juste à vous-même que votre sensibilité, elle n'est pas vraiment fiable. Hein et le multiplicateur. Mais on part du principe que les gens utilisent le multiplicateur par défaut. Il euh, n'y a que des gens qui ont justement envie d'aller taper les DPI à 800, 1000, qui ont du coup une sensibilité à 3-3 ou 4-4, et qui veulent du coup euh, augmenter le multiplicateur pour être encore plus pixel. Mais franchement, j'ai. Hey pour des gens Dommage pour des gens pour des gens qui sont euh, pour des gens qui veulent taper de l'esport etc machin bon là on commence à parler de multiplicateur mais avant c'est de la branlette hein. merci Aken pour les 3 mois de frescolarité Frala merci pour les 4 mois Dragon merci pour les 40 mois Mister Coloscopy pour les 50 mois Jérens, pour les 9 mois Nene pour les 7 mois c'est pas possible que j'ai pas loupé tout ça quand même si là je suis tellement à don dans mon truc ça, je suis désolé ça c'était le tapis ça ah ouais, bah ouais ça m'a tellement euh, retourné, tu vois. Je suis champion, mais 800, 4, 4. Alors, je pense 413, 13, 13 c'est le max. Ah, voilà. 800, 5, 5. Yanis, t'es champion ou pas Diamant 2, 411, 11. Je suis en 16, 16ème à 1000 dpi. Je suis plat 3, ratio 1.6, FOV 90. Mais t'es plat 3, Snowden T'es plat 3, Snowden Merci pour les 5 mois, frérot mais justement, c'est pour ça que t'es plate 3, frérot. C'est parce que t'as 1000 de DPI en 16-16. Tu pues la croquette, frérot. Snowden. Effectivement, je reprends le jeu. Non, mais le reprends pas. Le reprends pas. Va sur Baldur's Gate, Snowden. Refais, reva faire des, des WikiLeaks. Mais 1000, 1000 DPI 16-16, les gars, vous avez pas le droit de parler, sérieux. Vous jouez sur quoi Un gant de toilette Oh c'est quoi le délire là? Faut avoir une petite sensi. Non, faut pas avoir une petite sensi. Faut avoir une sensi qui est pas déconnante. Sur un tapis normal, ok? Il y a des, des 1000 de DPI en 16-16. Les gars, les gars, c'est pas, pas une sensi ça. Sur la touffe à ta rhum. Mais nique ta mère toi. <laughs> ça va, Mary ou quoi? Viens, viens en live. Je suis Emerald 2 parce que je ne fais pas beaucoup de games. Sinon, je suis champion top 5. Je 1v1 Spoit. <laughs> ah ta mère la pute. Non, je ne viens pas. Vas-y, Loti la troll, seum, Mary depuis, depuis Payday. Mary, tu pourrais laisser un petit commentaire sur la vidéo qui sortira bientôt où il y aura marqué 4 minutes 26 secondes pour mon record du monde. Lol. Je ne te parle plus. Oh là là, mec, on a joué trois jours ensemble. Ah, viens pas me faire chier, je te jure. Hein. Prends sur toi un peu. 11-11-400 champion plus e-sport. Ok, Neyox, ça parle, on est d'accord. J'ai l'impression que Mérite a atteint mentalement. Je l'ai fait en 3 minutes 22. Non, non, ça c'est avec ton ex que t'es de la fin en 3 minutes 22. Ça a rien à voir avec eux. Oh. C'était pas overkill, c'était overcouille. D1 42020 FOVMAX. Max et eh ben voilà pourquoi tu es diamant 1 Azishou. mec 420 20. <laughs> Overcome. 3000 de Dpi 7 7 champion 1 5 KD 84 de FOV, tu peux rien dire 6 3000 de DPI 7 7 envoie ton envoie ton truc sans toucher le en quel euh, en quelle ratio dans les gars, en quel ratio, les gars Et un aimlock. Mais il remonte tout seul, ce con. J'ai 10-10 en 800. Ratio 5-4. Max Fob et je suis gold 4. Ça doit être dur pour faire 180. Tu dois balancer ton bras sur tout le bureau. Mais 7-7, c'est pas déconnant. Hein. Mais 3000 de DPI. Mais tu as... où est-ce que t'as fumé du crack en fait ça, ça sert à quoi faudrait être débilos pour, 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 pour aller à 3000 de DPI. Ça sert à quoi d'avoir 3000 de DPI À quel moment tu pourrais être un champion 1.5 avec l'intellect supérieur du champion 1.5 de KD et t'être dit à un moment, je vais aller à 3000 de DPI Il n'y a pas meilleur DPI que 800. Je suis en 400. D'accord C'est impossible. Il faut vraiment pas s'être du tout renseigné pour savoir que le meilleur des DPI, c'est 800. Ni 1000, ni 700, c'est 800. 800, c'est mieux que 400. Moi, je suis en 400. Faut se renseigner, les gars. Six, tu fais comment pour être aussi fit Je nique ta mère, tous les soirs. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de dire, là. 800, 5, 5 c'est pas mal. Pourquoi c'est mieux Hein Bon, on s'en fout. Anyway, merci Abdel pour les deux mois de frais de scolarité. T'es un monstre poulet, vraiment. Ok, donc du coup. Euh... On va en reparler. À chaque fois que je fais un coaching, à chaque fois, de toute façon, vous êtes tous en train de dire, on va aller en chasse au terreau tout à l'heure. Je sais déjà ce qui attend. Je le sais. Mais, une euh... Non, 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 non. C'est pas une question d'être mauvais ou pas mauvais. C'est une question sur les mouvements, poulet. On, dire... ah, on, on va en reparler. Bon, DPI, du coup. 1000... Mm -hmm. Non. 1000 de DPI, ok. Polling rate, tu as dit bah 8000 du coup. Le polling rate, euh... c'est la fréquence de rafraîchissement de la souris. Oui, bah oui, du coup, ok, oui. ok. Donc ça, c'est cool. Et le ratio fauve euh, 90. 90 sur 4 tiers. Euh... Comme moi, quoi, t'as fait euh, Le 16-9. Ra... Non, mais franchement, 6-4, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai 16 000 de DPI, je suis en 40-40 et je suis en 16-9e. Et en plus, je suis sur un IMAX. Ok Donc ça n'a strictement rien à voir. Je suis un champion avec 16 de KD. 16-9e, euh... c'est le top. Oh, allez vous faire enculer. <laughs> oh, allez vous faire enculer, c'est le top de rien du tout. C'est bien des si tu veux, veux avoir le jeu euh, oui. de base, mais si tu veux le rendre moche en l'élargissant, oui, bah. Florentin, oui. qu'est-ce qui t'est pourquoi Tu m'as l'air ah. de t'être renseigné. T'as l'air d'être un mec cool, intelligent et tout. Tu t'es renseigné parce que tu m'as dit, j'ai regardé tes vidéos, j'ai regardé ton machin. Pourquoi tu joues en 9 neuvième Explique-nous. Euh, là c'est plus... Euh, parce que j'aime bien voir l'image du jeu comme elle est, pas euh, comme elle peut être distordue avec le 4... 4... Je sais plus 4 troisième. Eh ben tu sais quoi Il était dans le chat. Ça, ça s'appelle l'éphémérie. C'est l'éphémérie Laisse-moi t'expliquer ce qu'est l'éphémérie. <laughs> ok. L'éphémérie, c'est un syndrome bien connu du monde de Rainbow Six. L'éphéméride. Non, l'éphéméride. C'est le fait de venir, du coup, ne pas savoir faire la différence ou, ou d'essayer de trouver un équilibre entre la beauté du jeu, parce que les éléments graphiques sont importants pour toi, les éléments mmh. visuels, et le côté... Euh, euh, okay. Comment dire Compétitif du jeu. My. Depuis l'invention des jeux FPS compétitifs à savoir avant Counter-Strike, on est en 99, il y a Quake. Déjà à l'époque, Quake était un jeu très très beau honnêtement. Tout le oui. monde mettait ce qu'on appelle des modèles IFPS. Au final, il y a une antinomie, il y a une contradiction entre le fait, il y a une contradiction entre le fait de chercher depuis depuis le, depuis le début du gaming, depuis depuis tout le temps, entre les performances et la beauté graphique. Mmh. Et il y a un moment, faut choisir son camp en fait. Malheureusement, là, c'est un peu binaire. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Entre élargir l'écran pour avoir une grosse tête et euh, remettre l'écran normalement pour avoir une belle tête. Non Ce que je veux dire, c'est que si tu as vraiment envie qu'on discute tous les deux de toi qui devient meilleur sur Rainbow Six. Je veux pas du tout entendre parler de considérations euh, esthétiques en fait. C'était oui, moche, faut... c'est beau, euh, je préfère quand le jeu n'est pas déformé, etc. Moi, suis... c'est comme, si un... comme si tu voulais t'améliorer au football, tu viens me voir et on est en train de parler de chaussures tous les, tous les deux. J'en ai rien à branler que ce soit des Nike ou des Adidas, tu vois. Si, si en ce moment les meilleures chaussures au monde, c'est des coques sportifs, tu mettras des coques sportifs, tu vois. Il faudra pas me dire, ouais, mais j'aime bien la couleur des Nike. Parce que... Moi, moi, tu vois, je suis trop 100% performance. Et 16e, c'est pas performance, d'accord Ok, d'accord. Donc à la limite, il y a 16 10e ok Entre oh, les ouais. deux, il y a trois demi. et après il y a quatre tiers, euh, qui a un autre, débat. Donc euh, là, à la limite, enfin, euh... je sais plutôt le 16 10e ça, non Bah, le problème. De, de, de ça, c'est que ça, ça te, comment dire, tu choisis des... des, 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 des... C'est un peu compliqué, mais... Euh... Le, le field of view, le FOV, le champ de vision, tu as choisi mm -hmm. un champ de vision à 90. C'est-à-dire, oui. tu as un champ de vision qui est très large. Oui. ok Ça a deux incidences. D'une part, tu vois tout autour de toi, quasiment, au final. Mais le problème, c'est que les détails qui sont au milieu de l'écran, tu les vois moins. Ouais. Ok. L'autre problématique, c'est que quand tu bouges ta souris, du coup, ça augmente la sensibilité d'augmenter son ratio, d'augmenter son FOV. Donc toi, tu as choisi mm -hmm. le FOV qui est le FOV maximal, 90. Ok Ok, oui, Mais parce a... que justement, tout le monde parlait en bien et puis je vais essayer. Tout à fait. Bon. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas que le champ de vision. Qui change le champ de vision. Mmh. L'option de champ de vision change le champ de vision. Logique. Mais le ratio que tu as choisi change aussi le champ de vision. C'est-à-dire que si je vais. Bouge pas. Mais oui, vas-y, bouge pas. Je bouge pas. Euh... Donne-moi deux secondes. Oui, non, vas-y. Ok. Si. Tu viens sur le live ah, Je suis sur le live, oui. Voilà ce qui se passe. En fait, quand on parle de champ de vision. Et quand mmh. on parle de ratio. Mon ratio affecte mon FOV au final. Si je mets, le, si je mets mon, mon champ de vision à 90, d'accord ouais. Je le laisse, il est à 90. Je ne le touche pas. Mon champ de vision est à 90. Et bien derrière, si je mets mon champ de vision à 90, si je change mon ratio, ça, ça, 5 quarts, 16 neuvièmes, etc., j'augmente ou je diminue mon champ de vision d'accord donc toi tu as choisi celui-là donc Le... tu es déjà sur un 90 de fauve. ouais et en plus tu augmentes ton champ de vision avec un champ de vision énorme de 16 9e donc au final c'est comme si j'étais en bah c'est à dire que tu as peut-être au final tu dois être à peu près au niveau du bleu je pense là, là, là. bleu limite, limite d'accord euh, donc tu as beaucoup d'informations sur les côtés qui sont sur un écran 24 pouces, donc ça veut dire que tu as très peu d'informations. On as beaucoup moins d'informations au centre, donc ça veut dire que les petites têtes, les petits pixels, etc., tu vas moins bien les voir. Tout ça pourquoi pour avoir une plus grande vision périphérique qui, la plupart du temps, sur Rainbow Six, quand on sait se passer, se placer, ne sert pas forcément à grand chose. D'accord, donc dans ces cas-là, faudrait que je baisse mon, mon FOV. Les deux, mon capitaine. Un, je te dirais de choisir un... Si tu veux rester sur du... Comment dire du... Parce que le problème du 16 e moi je le connais en fait, la raison, c'est que les gens ne veulent pas parfois... Euh, ne veulent pas changer du 16 e parce que ça déforme l'image. Et parce ouais. que du coup, ils trouvent ça moche. Et le beau ou le moche est l'ennemi des performances. Si on commence à intégrer le fait qu'un truc soit beau ou pas beau, alors, du coup, on va droit dans le mur. On va, ça va contre les performances. Il ne devrait y avoir, pour moi, dans le dialogue, que, que le fait de, 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 de parler de performance, c'est tout. Le beau ou le pas beau, on s'en fout. Dès qu'une personne commence à dire Ouais, mais c'est pas beau, la plupart du temps, ça en dit long sur sa volonté, au final, de, sur son mindset, sur son état d'esprit, sur le fait de vouloir être bon ou pas dans un jeu. Donc, il faut. Totalement éradiquer ce truc-là. Il faut plus qu'on parle du beau et du pas beau. On s'en fout que ce soit beau, on s'en fout que ce soit pas beau. Ce qu'on veut, c'est que tu sois un monstre sur le jeu. Et c'est ce que j'ai envie d'être. Donc voilà. Cool. Eh bien plus jamais de ta vie, tu ne diras j'aime pas quand l'image elle est déformée. Euh, ça, c'était ma zone de confort. Je me sens agréable là-dedans. Tu fais juste ce que je te dis et tu deviendras bien meilleur. J'en suis sûr et certain. Il y a deux jours, il y a encore une personne. C'était Captain Fefe qui, qui, qui croyait pas etc. Quand on en a parlé, qui était une personne en Suisse, je sais pas si vous l'avez vu etc. Il est, il est champion maintenant. Vous l'avez vu sur Twitter, je vous l'ai envoyé, j'ai dit bah tiens un, une personne, un coaché heureux. Mmh. Donc tu veux un vrai truc, le reste sur 90 de fov, le touche pas. En vrai, il vaudrait mieux mettre un truc à 87 de fov, 87 et pas sur du, euh, euh, soit un 83 de fov avec du 3 demi, ce qui va pas trop déformer l'image, euh, soit plutôt ah, J'ai pas envie de te faire passer sur du 4 tiers parce que tu vas, tu vas, tu vas chialer, je pense. Parce que c'est vraiment une grande différence. Euh... Un... Qui est-ce qui est sur du 16 dixième à l'heure actuelle En joueur pro, quel est son FOV Citez-moi un joueur de ouf qui est sur du 16 dixième à l'heure actuelle pour ceux qui les connaissent. Moi en 16 dixième. Un joueur de ouf, on a dit. Et pouf, t'es mort. Si vous êtes en 16 dixième les amis, euh, ne mettez pas ne mettez pas euh, ne mettez pas ne mettez pas du 92 fois. Tout le monde est en 4 tiers non Non, tout le monde n'est pas en 4 tiers, j'ai déjà montré putain les gars, vous êtes jamais là ou quoi Nom bon, de Dieu de bon Dieu de bordel de merde. Non, on en a déjà parlé, là là. Il y, y a des gens qui sont en 16e neuvième déjà, je sais pas ce qu'ils foutent là, non il y en a quelques-uns, quand même, des 16-9e. Du caméraman, etc. Il hey, y a caméraman sur du 16-9e, 90. Ça va, en fait. tu' es, es comme caméraman. La plupart, 80, 50% des joueurs sont sur du 4/3. Genre, on avait compté, un truc comme ça. Genre, 30% sont sur du 16/10. Euh, 10% sont sur du 3 demi. Et le reste ont des trucs un peu chelou. quoi. Mais là, vous le voyez 4/3, 4/3, 4/3, 16/10, 16/10, 4/3, demi, 16 16/10, 16/9e. 16 16 Il y en a quand même 16/9e, un peu 16 dixièmes, 16 dixièmes, 16 dixièmes, 3 demi, 4 tiers, 4 tiers, 4 tiers, 4 tiers, Putain la vache. Bon bah je retire ce que j'ai dit, il y a quand même beaucoup plus de 16 neuvièmes que je ne le pensais. Non, ah, d'accord, ok, eux ils sont sponsorisés, c'est du bullshit J'y crois pas une seule seconde. Non, 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 j'y crois pas. W7M là, allez vous faire enculer, j'y crois pas ça. Ça c'est du, du mensonge ça, c'est du brésilien. Non, mais non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'on leur a demandé de mettre ça pour... Euh, c'est pas... C'est leur équipementier parfois qui peut demander aussi... Euh... Une, une 20-60 sur du 2K. Ça n'existe pas. Ou ça 20, Une 20-60 sur du 2K. faudrait vraiment être le plus gros des débiles pour faire ça. Non, 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 non. Ça, c'est un mensonge. Ça. Euh... Et bon lui c'est King George. Bon voilà. on va rester en haut. En résolution, t'es bien en 1920 par 1080. Oui, oui. Mais il y a du 16/9 quand même, mais comme par hasard, il y a pas de il y a pas l'écran. À chaque fois qu'il y a du ah si, AOC là. Ouais, c'est le coach. Non Virtu, il joue chez G2 encore Bon et 4 tiers t'as déjà essayé du coup et tu trouvais ça moche non Ouais j'avais oh. du mal. Vire tout. C'est Fabien le coach, putain, je suis con. J'ai même pas suivi. Quatre... Pourquoi t'avais du mal euh... Pas l'habitude, je pense. Ok, bon mets-toi en 3 demi. Ok. Entre les okay. deux. Bah, 16 dixièmes pour la transition. Euh, 16 neuvième. En vrai, là, ça va. Là, là de vue comme ça, ça va. Après, il faudra que le. Le champ de vision. 3 demi et là. 16 dixième est là. Ok. Euh. Ouais, non, 3,5 ce sera parfait, tu verras. 3 de... En fait, 16 dixièmes, ouais, pourquoi pas. Mais 3,5 si ça lui va, ça ira, je pense. Hein Ouais, bah, on va tester le 3,5. Par contre, le FOV, du coup. Euh... 90, tu peux le laisser. Ok. Ah, bah oui, parce que là, du coup, ça, va... là, tu... ça vient de t'enlever un peu de champ de vision pour le coup, d'être en 3,5. Bon, bref. Euh, du coup. Ok. Ok, ok, ok. Let's go, on va tester ça et on va voir ça in-game pour le coup. Ok. Euh, je t'invite. Papa -pa papa, papa. Ton nom c'est quoi euh, Comme sur le stream, FR Chaoflo Attends, bouge pas. Merci Eisenberg pour les deux mois, Nachoba pour les six mois, Blacksteel pour les 7 mois, Abdil pour les deux mois. Vous êtes des monstres les amis. Euh, du coup, tu m'as dit FR. FR majuscule tiré du 6 Chaoflo euh, tirer du 6 chat le, au le fr il en minuscule on s'en fout ça c'est la, la casse et si je le mets en minuscule ça, ça marchera quand même ça va ils sont pas si nuls que ça quand même chez Ubisoft bah. ok mmh. Mmh. Pourquoi c'est le nombre de followers qui apparaît en haut, là C'est nul, ça. Qu'est-ce qu'on va foutre euh, Bougez pas. Je mets ton pouce le stream. Hop. Ok. Du coup, pendant que tu acceptes mon invitation... C'est fait. 1. Quel est ton grade euh, Silver. Euh, je viens de le passer récemment. 2. Quand est-ce que t'as commencé à jouer Ça fait deux ans que j'ai repris sérieusement le jeu. Ok, 3, quel est ton objectif euh, Alors déjà monter en rang pour atteindre le champion, reprendre les lives, comme ça je pourrais au moins montrer un contenu un peu plus intéressant, et partir en pro euh, si je me fais remarquer. Nom de dieu euh... Oui, c'est ambitieux. Ah ouais, la vache euh... Ok ah ouais là c'est un vrai road to euh, road to let's go quoi. Attends bouge pas où est-ce que c'est les fucking euh... ah les objectifs sont là non ah merde j'ai pas appuyé sur le, le bouton objectif j'ai appuyé sur le bouton pub allez bam oui euh, c'est un projet oui c'est évidemment ça de toute façon dans la vie euh, on n'a enfin, qu'une seule vie donc faut partir sur des projets et les accomplir J'en sais rien. Pourquoi est-ce que ça me fait chier ce truc? Attends, bouge pas. Bon, attendez, bougez pas. Attends-moi, j'arrive. <laughs> Je bouge pas. <laughs> Vous avez pas d'objectif qui apparaissent? Ah voilà, je savais pas pourquoi est-ce qu'il se lançait pas le sub goal. Ok. Euh, du coup là t'es silver et tu veux aller champion et pourquoi pas faire de l'esport Oui c'est ça oui. Florentin, t'es sûr de toi là Oui. T'es sûr Oui. T'es sûr que tu veux faire ça? J'ai besoin de répéter le oui? Oui. Oui. <rire> <rire> ok. Ok. Bon. Tu me disais dans la vie, il faut avoir des objectifs, etc. Machin, euh, truc mais oui, oui. Ok. Les bon. paroles, non, je bon, les objectifs, il y, y, a, y, a, y a deux façons de voir les objectifs pour moi. Il y a les bons et les mauvais. Mmh. Ok? Le bon objectif, c'est un objectif smart. Euh, je t'entends plus. Ah bah je suis toujours là. Tu m'entends Oui là je t'entends. Ok. Est-ce que tu connais l'objectif smart Pas du tout. Ok, on va prendre deux secondes. C'est un truc que j'utilisais ça de, par le passé. Tiens, on va le mettre là. T'es sur le live oh, On un, un flashbang. Goal spécifique, mesurable, timable, logistique, timeline. Ça vous rappelle Smart égale finir au McDo Non. Un objectif doit être un objectif du coup doit être spécifique. On peut pouvoir, on doit pouvoir le, le mesurer. Mmh. On doit pouvoir l'atteindre. Il doit être réaliste et on doit lui donner un temps pour le réaliser. Donc ça c'est un bon objectif. Donc mmh. j'ai envie de devenir meilleur, c'est un objectif de merde. Ok, j'ai envie d'atteindre le champion, etc. C'est pas forcément des vrais objectifs. Nous, ce qu'on veut, c'est un objectif qui va correspondre à tout ça, quoi. Ok. Donc du coup, atteindre le champion, c'est possible. Oui. Ok, on le sait. Euh, et, ça ça me et ça me permettra de montrer mes compétences. Très bien. Donc du coup, pour savoir si maintenant on peut le mesurer, s'il est atteignable, ça, ça va être à moi de te le dire. Oui, c'est pour ça que je t'ai pris en coach. Cool. Combien de temps tu peux passer par semaine sur le jeu? Euh, alors, ça dépend de mes horaires de boulot, mais grosso merdo. Euh, quand je suis matin, 9 h par jour. Quand je suis d'après-midi, plutôt, plutôt le soir, 4 heures. En journée, 6 heures. Et quand je suis de repos, bah, c'est variable. Mais après, il y a des jours où je suis pas dispo, il y a des jours où je suis. Euh... Mais toi, tu m'as dit que tu as repris le jeu il y a deux ans. Oui, c'est ça le problème. J'ai beaucoup trop passé de temps rapide et euh, quand j'étais en classé, bah. J'avais du mal à passer le palier des Silver. Ok, mais depuis deux ans, sur les deux dernières années, combien de temps t'as passé sur le jeu Par jour, en moyenne, à peu près, grosso modo alors si on regarde pas les données Steam, euh... ça fait 1300 heures sur Steam, sur R6. Spé euh, pardon, spécifique, quelqu'un demande le spécifique, c'est quand les gens me disent euh, ⁇ C'est hyper bien, moi j'adore... Euh, le... pour, pour définir un objectif, ça, utiliser ça, franchement, ça vous aide vraiment. Un objectif euh, pas spécifique, c'est euh, ⁇ Je veux devenir meilleur ⁇ Ça, pour moi, c'est un objectif nul, en fait. Je veux être euh, comment dire euh, euh, Je veux être champion. C'est un objectif spécifique. Il, il est déterminé au final. Il a une, on, on le voit en fait. Il est visible quelque part. Il est spécifique. D'accord euh, J'ai envie de, euh, j'ai envie de prendre de l'altitude. Bon, c'est un objectif de merde. J'ai envie de monter sept montagnes. On le voit. C'est l'Everest, c'est pas l'autre d'à côté, etc. J'ai pas envie de devenir un meilleur à Non, j'ai envie d'avoir des objectifs. Cet objectif, cette montagne-là, pendant pendant, et il faut que je m'entraîne pendant tant de temps pour l'atteindre tel jour. Et donc, du coup, à partir du moment où vous avez les objectifs, à partir du moment où vous savez quel est le, le temps que vous allez prendre, etc., vous faites juste ce qu'on appelle un rétro-planning simple, hein mais c'est. Partant du principe que je vais aller en haut de cette montagne, combien de temps est-ce que je vais y... combien de temps je vais je vais voir un professionnel et je vais lui dire bonjour monsieur le professionnel moi en l'occurrence euh, un sherpa et de lui dire combien de temps est-ce qu'il me faut pour atteindre cette montagne comment je peux le faire quel équipement me faut-il et c'est ton objectif au final et c'est à lui de te dire bah là par rapport à vos compétences par rapport au fait que vous avez pris pas mal de retard etc machin Déjà, il va falloir perdre du poids, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça. Euh, là, vous allez apprendre pendant deux, trois semaines de, de réacclimatation. Je pense qu'il va falloir commencer par des randonnées. Puis après, il va falloir commencer à faire des petits sommets des 2000, des 3000, des 4000. Donc des étapes intermédiaires et tout. Euh, ça va vous mettre environ 6 mois de préparation. Je pense que là, on peut à la limite atteindre le haut de cette montagne dans un an. Voilà. Et donc, c'est à toi après d'être OK ou pas sur le chemin à faire. Après, euh... voilà. c'est ça quoi. Une petite ref à Inox Tag. Euh. Pff, euh ouais, oh, non. Non, bah non. Si... Il faudrait faire une autre montagne haute que l'Everest pour le coup. Pour, euh... Non, sérieux, c'est dur l'Everest quand même. Silver c est tendu. Il faut viser le Gold 1. Les gars c'est mieux RC sur Steam ou R6 sur Ubi. Ubi Ça change que dalle de toute façon Ok euh... Ça... Sur Or, Ubisoft ils me mettent 725 heures 725 heures sur les deux dernières années Oui 725 heures sur les deux dernières années Dont une où il y a eu trois mois de tryhard parce que j'étais en maladie. maladie euh, Maladie Euh 725 heures divisé par euh... Euh... 600 720 divisé par 720 sur les deux dernières années, genre vraiment pile poil. Quoi. Ouais, ouais, 5 heures. Ouais. En fait, j'ai En fait, j'ai. Ça fait je... une heure par jour, du coup. Ouais, mais je passe coup... plus de temps que ça. 725 Et... heures divisé par 720, une heure par jour, quoi. J'avais acheté le jeu à l'année 2, euh, en 2017. Mais j'avais un PC de merde, donc j'y euh, touchais pas. Et c'est une fois arrivé à Crystal Guard en 2021 que j'ai pas lâché le jeu. Quoi Attends. Flo ouais. Tu me permets que je t'appelle Flo oui. Ok, moi le... pour te dire comment est-ce que tu vas atteindre ton objectif, déjà il faut que tu me bullshit pas du tout. Mais. Euh... Moi je là je viens de, de prendre le nombre d'heures que tu m'as fait et de le diviser par le nombre de jours que tu m'as dit. Ça me mais... fait une heure par jour. Oui, sauf que non. Je... Enfin, il y a des jours où je ne joue pas et il y a des jours où je joue, évidemment. Il y, des... y a des contraintes. Bah oui, mais. Mais je... il y, a... y a des journées où je passe vraiment une journée complète à aller sur le jeu. Oui, mais il y a une différence. Quand je t'ai posé la première question où tu m'as dit, je, passe, je peux passer 9 heures par jour. Et je peux vraiment passer 9 heures par jour, selon mes horaires de boulot. Ok, moi, il me faut que je retrouve le delta entre les deux. Il faut qu'on arrive à trouver, enfin pas le delta, il faut qu'on arrive à trouver le, 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 le combien de temps tu penses pouvoir octroyer à Rainbow Six par jour. Si c'est 9 heures par jour, ça fait vachement beaucoup pour faire d'autres choses à côté. Si c'est 1 ouais. heure par jour... Accroche-toi, frérot, parce que alors là, je pense que je pense que l'objectif ne sera pas. Voilà, on pourra pas l'atteindre. Bah, sur mes heures, heures de boulot, euh, minimum ouais, le minimum, ça serait 4 heures, quoi. Combien de temps t'as passé hier sur Rainbow Six euh, Hier, j'étais du matin, donc je me suis connecté. Euh... Bah, j'ai commencé, je crois, il était genre euh, 15h, 4h, et j'ai fini à minuit. Avec un temps de pause de 1 heure. Ok. Bon, moi, ce que je veux te dire, c'est que si tu commences à me dire, t'as 2-3 heures par jour pour faire du Rainbow Six, ok mmh. Dans ce cas-là, 2-3 heures par jour. Hein. Mmh. Dans ce cas-là, devenir champion pour toi, c'est un truc que tu feras dans. idéalement. De façon réaliste, mm -hmm. euh, en mars avril de l'année prochaine. Ok. Dans deux saisons quoi, deux trois saisons. À deux heures trois heures par jour. Mm -hmm. Est-ce que ça te va ou pas Oui, ça me va. Je peux, si faut, je peux augmenter encore. Hein. Mais euh... et oui non, là, je réponds à la question de Foutras. Euh, 1300 heures. C'était par rapport à ce qui était noté sur Steam, mais euh... je sais pas, je sais pas comment ils gèrent Ubisoft et Steam par rapport aux heures de jeu. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas non plus. Ok. Euh, du coup. Bon, c'est important de, 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 de retenir ça quand même. Donc oui, c'est possible. En fait tout est possible. Quand on dit euh, c'est possible, hein. mais, 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 mais mais là il y a un gap quand même. Là, il y, y a un gap entre silver et champion. Il y a un sacré fucking gap. Ça va ah demander bah... du fucking boulot là. Ah, il y a une grosse marche, oui. Oui, mais tu viens voir un coach. Tu viens pas voir euh, Jesus Christ, quoi. Je peux pas faire des ah miracles, bah... quoi. Ah oui, mais c'est pour ça. Il faut que je me fasse guider. Là, j'ai besoin d'un coup de main. Ah ouais. Là, tu as besoin d'un coup de pied au cul, surtout. Ouais, sur oui. Le... Ok. Et j'ai pas envie de me faire pick up non plus par des joueurs plus au grand que moi. J'ai envie d'y aller par mes propres moyens. Ok. Oui, euh, booster quoi ouais mm. pick up c'est ce que j'utilisais dans les mémoires pg mm, pourquoi tu as joué à quoi ah oui à uh, scroll online mm -hmm. ok training ground euh, squad. Ils jouent en squad déjà Est-ce que tu joues en squad ou tu joues en solo Euh, en squad, avec deux amis. Ils sont pareils que moi, ils sont en silver bronze. Aïe. Bon. Ils m'ont rejoint en cours de route. Sinon, c'était moi le premier. Écoute, euh, comment te dire Euh... De temps en temps, pour que la montgolfière euh, prenne il faut de partir, Il faut partir en solo. Oui. <laughs> il faut lâcher du lest. <laughs> C'est une référence, je ne sais plus qui. C'est dans quoi ça C'est un dans vieux la film ou. des années. Non, ouais. je crois que ça doit être le Père Noël est une ordure ou un truc comme ça. Enfin bon, bref. Mais oui, non, je sais. Je sais qu'il faut que je parte aussi euh, en solo. Quatre garçons plein d'avenir ou je ne sais plus quoi. Euh, bref. Il faut que tu partes en solo. Non, il faut pas que tu partes en solo. En revanche, le problème c'est que quand tu pars ma métaphore de la montagne, tout à l'heure, je l'aimais bien, OK Quand tu pars mm -hmm. euh, monter l'Everest parce que là toi tu es parti pour une putain d'ascension, OK Tu vas aller monter l'Everest, OK l'Everest c'est mm -hmm. le ton Everest, c'est le champion. Très bien. Bah, pour monter l'Everest, tu peux pas y aller vraiment tout seul. OK Tu peux y aller tout seul. Il y a des gens qui l'ont monté l'Everest tout seul. Mais c'est beaucoup plus compliqué Que le monter en cordée. Donc avec mmh. une équipe de personnes qui s'entraident, qui se relaient, qui se tiennent, qui s'assurent. Une corde, quoi. Une cordée, ok Toi, t'as besoin mmh. d'une cordée. Le problème, c'est que si les personnes avec toi n'ont pas le même objectif que toi, la même vitesse de croisière que toi, et la plupart du temps la même envie que toi, alors cette cordée, ça va être toi qui te traîne de boulets. Et t'as pas envie oui, de te je... traîner des boulets. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, c'est simple. Image. Soit ils t'accompagnent du coup vers cette ascension... Soit autrement tu leur dis les gars je jouerai avec vous euh, euh, de temps en temps mais pour le moment moi j'ai un autre truc à accomplir quoi mmh. ah bah oui. Euh, oui non mais oui au contraire c'est on joue avec des gens qui sont meilleurs que soi ou qui ont son niveau mais Silver non il faut que tu joues avec des gens qui soient euh, platine là ok en dessous de platine okay. euh, hein voilà quoi. L'image voilà. du boulet est parlante. Oui, vas-y, tu peux me tuer. Tu m'as raté à un mètre là euh, J'ai pas visé. Ah, je rigole. Ok. Ah, pas ok, va dans un coin de mur, stop, casse rien, va dans un coin de mur, très loin. Vas-y, dans le, dans le bocal, là, à droite, là, c'était bien. À la droite, là, hop, là, dans un coin. Là, mmh, le, le conteneur, derrière toi, oui. Mets-toi dans un coin. Là, il y a un... Attends, bloqué euh, dans euh, un euh... coin. Là, parfait. Là, si je peux passer. Voilà, très bien. Mets ton... Voilà. Fais un... Fais de gauche à droite de ton... Non, sans faire de clic droit. Fais de gauche à droite de ton tapis de souris. Attends, attends, attends. Arrête de danser. Par... Part de l'arête là, va, ouais. va tout à gauche de ton tapis de souris, genre la bordure de ton tapis de souris, et fais-le tomber à droite de ton tapis de souris, ta souris. Ok. Sur un tapis qui fait combien de centimètres, tu m'as dit euh, 35-25. Un deux tiers du mien, du coup. Gars, si vous voulez, hein. moi je veux bien, hein. mais pour moi c'est impossible. Bon, tu vas m'écouter du coup. Mm -hmm. T'es en combien de sensi là euh, Je suis toujours à 1000, j'ai pas changé. Cool. Moi, je... moi tu m'as donné l'objectif, on y va. Hein oui, oui. Dans 8 mois, t'es champion. Oui. Bon, on va y aller, je vais, je vais tout faire pour. Non, dans 8 mois, t'es champion. Ok Il n'y okay. a okay. pas de tout faire pour, c'est nul ça. Les vrais stylés en haut. Et tu y vas, tu vois ce que je veux dire Et euh, Tu vois ce que je veux dire Donc, on y va, on est parti. Bon, bah déjà, t'arrêtes tes conneries. Tout à l'heure, ce que je te mettais comme étant une recommandation, t'arrêtes avec ton tapis de souris, il pue du zboub. Ce tapis-là, tu le balances, ok Tu le files à ton petit neveu, c'est de la merde. T'achètes un bon petit tapis qui fait euh, 555. Euh, si t'as deux mondes sur Discord, ils s'y connaissent, ils savent presque ce que j'utilise. Prends pas forcément le mien, il coûte 50 balles, tu vois. Prends un tapis à 20 balles. Ok, même à 15 balles, ça se trouve. Mais un tapis de souris, souple. Et je me fiche du fait que tu ne sois pas confort dessus. Ok. Ah oui, ok, ça c'est le premier point. Deuxième point, tu changes ta, ta sensibilité, tout de suite. Là, euh, ça va être compliqué. Là, je vais la mettre à 400, 600. Attends, tu es en 800. Là, dommage, j'étais à 1000. Oui, sur du 13-13. Oui. Ok bah tu mets 400, 13, 13 Là t'as un putain de machin avec ta souris de ouf Là elle est parfaite en plus C'est bon Oh putain vache C'est oh, un loup. Oui c'est normal Et je vais pas te mentir que à l'heure actuelle, écoute bien ce que je vais te dire Tu mm -hmm. n'as pas du tout Un tapis de souris Pour avoir la sensibilité euh, Que je viens de te donner tu, tu, tu vois, là, je là, ton tapis de souris n'est pas du tout adapté à la, à, la, à la sensibilité que je viens de te filer, ok Ok. Il va falloir euh, un autre tapis de souris. Bon, je commanderai plus tard. <laughs> et l'autre, tu peux l'annuler ou pas euh, Oui, je, vais, je pense qu'il y a moyen. Au pire, si je le reçois, je le renverrai et puis m'en font un. Ah oui, -me. Tu, tu l'as commandé où euh, Chez Razer, pareil, sur le site officiel. Bon, bah, on en... de toute façon, t'as toujours 7 jours de rétractation légale. Obligatoire. Ouais. Donc, tu leur envoies, voire tu n'acceptes pas le colis. Et puis, tu leur dis, je n'accepte pas le colis. Tu les contacts, pars, ils repartent le truc. Voilà okay. quoi. Si vous avez des références à donner qui ne sont pas très chères, etc., combien t'as coûté ton Razer Razer ils font des très bons tapis de souris. Hein. Euh, je crois que j'ai dû payer genre euh, 60, 80 balles, un truc comme ça. Ah je ouais, paye. nom de Dieu Oh les fils de pute mais normalement Razer, ils ont une gamme qui s'appelait les, 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 les... Je sais pas si ça existe encore, mais les Goliathus, par exemple... Bon, c'est du bon tapis, quoi. Voilà, mais en souple... Ça va te faire bizarre. Ça s'appelle sortir de sa zone de confort. Donc ça, ça va être pas très agréable. Du coup, je me permets de demander. Euh, on va voir quand même quelques éléments des touches. Parce que là, tu silver. Donc, il faut reprendre quasiment toutes les bases. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses à voir sur les touches non c'est celle par défaut, hormis peut-être le cut qui est sur la souris. Ok, quel est l'autre truc qui est sur la souris vu que t'as deux boutons sur ta souris à gauche c'est tout. Il y a la visée, il y a le tir et il y a le cut, c'est tout. Mais t'as deux boutons sur ton pouce. Oui oui oui, mais l'autre bouton je l'utilise pas. Ok, ça c'est un problème. Parce que si tu l'utilises pas, du coup, étant donné qu'il y a besoin de beaucoup de boutons, je me demande où est-ce que qu'est-ce que tu t'es dit que t'allais pas utiliser, quoi euh... Ah, bon, si il y a comme la molette avec euh, les gadgets. Non, ga... oui, d'accord, le clic molette du coup. Oui, le clic molette. Oui, oui le oublié. mouse 3 du coup. Ok, très bien. Donc ça c'est bien, ça c'est comme moi quoi, Avancer, ça, ça se fait, c'est cool. Euh, T'aurais au moins pu mettre le C4 par exemple sur ce truc de côté, mais bon c'est pas ouf ouf quoi. Moi j'ai un marché par exemple, mais il doit y avoir quelque part euh, quelque chose ailleurs euh, qui doit être difficilement accessible. Par exemple, t'as dû mettre le coup de. Ah non, t'as dit quoi T'as le, le coup de cut ouais, oui. sur la souris coup de sur la normalement, c'était la touche V pour taper. Et je l'ai encore, tiens d'ailleurs. Attends, laisse-moi réfléchir. Et je vais voir, il y a forcément un truc que as, que, qui devrait être. Bah, comment tu lances ça, ces quatre Avec la touche G. Ok. De base, quoi. Oui, la base. J'ai pas changé ça. Et je t'avoue que c'est fois c'est galère quand tu veux jeter un truc. Bah, quand tu veux jeter en te décalant à droite. Ouais, c'est ça. Mmh. Oui, moi j'ai toujours. C'est très compliqué pour moi. C'est le move le plus difficile. Et du coup, il ne peut pas être pixel. Je ne peux pas balancer un C4 pixel et faire un. Je le balance et. Voilà. Donc, c'est bah, un choix. Euh, Peut-être le accroupir. Accroupir, du coup. Bah, non, de base, il doit être sur CTRL, je pense. Non, sur C. Ah oui, sur C. C s'accroupit, CTRL s'allongeait. Euh, Alt c'est pour marcher. Et euh, Shift c'est pour courir. Oh par contre, si pour tourner, j'ai l'impression d'être un camo au secours. Les drones. Non, les drones, c'est 5 ou 6, là, je sais plus. À 5 fois. ou 6, ça peut bouger, ça. Non, ça, c'est le truc de base. Euh, c'est son... Est-ce que le marché sur ALT c'est dégueulasse, non Pas tellement. Je une fois dessus en, euh, en activé, désactivé. Ça, je le fais avec le pouce. Oui, d'accord, ok, mais je vois ce que tu veux dire, poulet. Mais il va falloir qu'on parle détail, là. Mmh. Trop bien. Moi qui ligne avec les boutons du pouce, je veux rien dire sur les touches. Moi j'ai mis ma souris pour marcher. Ouais, comme moi quoi. C'est forcément mieux. Bon, enlève ton truc là, mets-le sur le deuxième bouton de ta souris au niveau du pouce là, le marché. Ok. Tu seras comme moi. Euh merde, t'en sais où du jeu bah non, le halt gauche là, franchement, ça t'oblige à, à faire ton, à mettre ton doigt comme ça, tu Pour aller appuyer sur le halt. Non, je ne le retrouve plus. <laughs> euh, alt, 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 alt. Hmm, Option. Euh, con... quest que droit. tu ne retrouves pas euh, Marcher. Tire avancé, reculer, tirer sauter. Euh, le marché, c'est le. Euh, bah c'est quasiment tout 1, 2, 3. Là, c'est bon, j'ai. Ouais. Tu le mets sur le mouse 4 ou mouse 5, du coup, ça doit s'appeler. Ça dépend de là où tu as mis ton coup de cut. Euh, coup de cut, je l'avais mis sur la touche 4. Moi aussi, du coup. Bah, si tu mets le, mouse, euh, le marché sur mouse 5, euh, tu as comme moi. Bah, ouais, bon. c'est bon. Grosso modo, t'as comme moi. Il y a 2-3 trucs que j'ai changés, mais. Ok, euh, juste un truc, si tu vas dans l'accessibility par exemple, euh, le, quand tu fais échappe, accessibilité, le dernier truc. Euh, ouais. Okay. Le quatrième truc euh, qui s'appelle l'intensité de la vibration de l'écran. Euh, par défaut, je ne l'ai jamais touché celui-là. Ouais, bah, je ne savais même en... pas, pas que ça existait. Off du coup. Ok. Du coup, quand tu vas faire péter des charges thermiques, des grenades, des machins, l'écran ne tremblera plus. Ok, d'accord. Euh, quels sont les autres trucs bon, Le show versus notification, tu l'as enlevé Là où ça met en gros 4v4, 5v5 euh, Oui, j'ai viré ça. Sûr. Hein Sûr. Et okay. j'ai gardé le chat équipe, euh, mais pas le tous. Et j'ai via l'audio. Enfin, le, le chat audio. Ok. T'es en quel mode audio euh, Nocturne. Ok. Euh, non bon, ça a l'air pas trop mal quoi. Ça, ça va, ça va pour sortir du. Voilà quoi. Ok. Euh, du coup, vas-y, va nous mettre des, des one tap maintenant. Ça va te faire bizarre Oui, oui, je sais. Ok. Ton crosser placement déjà. Au niveau de la tête. Voilà. Vas-y, hein, continue. Mais quand t'es en train de d'avancer, fire. Voilà. J'ai envie de te voir. Hop là, tu commences à le baisser là. Non... bah attends. Oui, bah ça va te faire bizarre la 106, c'est normal. Ouais. Prends ton temps, c'est pas une compète. Ah mais merde... Ah <laughs> Putain. Ah j'arrive pas à tourner avec la caméra. Ah, oui. Et puis là j'ai tout déchargé J'ai pas pu Tu te souviens quand je t'ai dit 8 mois champion Ouais rajoute ouais. 2 mois quand même hein. Je plaisante Désolé Oh aïe attends mais parfois j'ai l'impression que vous me connaissez pas. Tu sais que je... tu sais que je vais tailler forcément sais. pour rigoler et je faire sais, marrer je tout sais, le monde. Euh... Non c'est juste que là je l'ai assez ah, frustrant. Ça va fait... être frustrant là. Oui normal mais c'est normal ça. Mais c'est justement vaut mieux en rigoler. Euh... Oui bah oui. Vaut mieux être dans le lâcher prise pour le coup. Mmh. Ok, merci Clark HB pour les 22 mois de space Le but du jeu aujourd'hui, c'est qu'on se marque, qu'on rigole, que je vois les trucs et après je te donne un gros feedback par écrit qui arrivera sur Metafile. La dernière fois, la personne, quand elle a reçu le feedback, elle a dit Ah ouais, il y a tout ça, je vais t'envoyer un gros feedback adapté au final hein, aux problématiques et avec un programme de ce que tu dois suivre sur... bah, pour atteindre ton but. Vas-y, tu peux me mmh. tuer. Vas-y, vas-y. F6, V... Oh, C'est relou, ça. Prends ton temps. Il y en a encore mmh, où ouais. Ok, on suit à gauche, je sais pas où ce qu'il est. Oh putain. Pour le moment, ça va, t'as le même niveau que Mary. Oh mais pas non plus quand même. <laughs> Est-ce que tu as déjà fait au prévu de voir ce qu'ils sont devenus plusieurs mois après un coaching Euh. Non. Je leur, en fait, ils, ils me donnent euh, très simple. La plupart du temps, quand les personnes font le coaching, euh, Les personnes viennent me voir. Enfin, tout le monde. Je leur demande de venir me donner des nouvelles via Discord. Du coup, euh, les gens viennent me donner des nouvelles via Discord. C'est par exemple là le truc euh, la semaine dernière quand une personne m'a dit putain je suis trop content, je suis monté champion. Bah voilà quoi. Il m'a donné des nouvelles. <laughs> Mais non, pas de euh, qu'est-ce qui se passe 20 mois après, etc. Maintenant je peux vous donner la raison à ça si vous voulez. Mais là, c'est de la transparence absolue et ça va, ça va tiquer chez certains, du coup, je pense. Dommage. Vas-y, continue encore. Euh, je sais pas si c'est une impression, mais entre les chasses au terreau basique et les chasses au terreau avec des amorçages, j'ai l'impression que la chasse au terreau avec des amorçages est plus dure. C'est possible. Franchement, je sais pas, j'ai jamais fait le, la chasse au terreau basique. Mais les mecs, ils tapent dur là. Même moi, j'ai du mal. Hein. Quand je commence à poser la bombe et tout, ils mettent des pré-shots maintenant et tout. Euh, on s'en fout. Hein. Le, là, tu vois, par exemple, typiquement, on s'en bat les couilles que tu perdes, que tu te fasses défoncer. C'est pas ça qu'on analyse. Là, je suis en train de voir les mouvements. Donc, le premier truc qu'il va falloir que tu fasses, toi, c'est déjà de gérer tes mécaniques. T'as envie de mmh. devenir meilleur sur le jeu, arrête de lancer des ranked, arrête de lancer des quick play, arrête de lancer des TDM, arrête de tout lancer en fait. Premier truc que tu devrais faire maintenant, une fois que tu auras reçu ton bon matos et tout, et c'est le premier truc que je mettrai dans ton programme, c'est que tu vas devoir t'entraîner sur des maps vides. Tes mécaniques ne sont pas bonnes et elles sont à revoir intégralement. D'une part, parce qu'en plus, je t'ai tout fait changer. Donc, mmh. pour une personne normale, si je puis dire, euh, déjà c'est extrêmement compliqué. Ce serait extrêmement compliqué. Ok Du coup, et euh, pour, pour toi qui avait peut-être certains éléments, etc., un petit peu, il y avait des difficultés, euh, voilà. Euh, bah pour toi, ça va être compliqué encore plus parce que. Euh, parce que. Parce qu'il a. On, on en reparlera tout à mmh. l'heure. Ok anyway donc pourquoi est-ce que, est que je vais pourquoi est-ce qu'on va reprendre les bases soit si tu arrives à faire preuve de l'humidité nécessaire de toute étape de, de tout remettre à plat et de se dire ok je réapprends le jeu au final on va sur la bonne piste on est bon ok et là tu vas devenir monstrueux si en revanche tu commences à avoir la réticence de dire ouais mais avant ça se passait mieux comme ça ouais mais avant j'étais mieux etc là tu vas droit dans le mur donc, okay. le premier truc qu'il va falloir faire, c'est au final, même si ça peut, et je suis désolé pour le côté extrêmement paternaliste de ma phrase, mais il faut déjà réapprendre à marcher, quoi. Et à, pour réapprendre à marcher, déjà va falloir se balader sur des maps en ayant à peu près euh, un semblant de mécanique du jeu et de, de, mm -hmm. de, de, savoir, de savoir se déplacer sur le jeu. Donc de savoir péter des portes sans regarder là, sans regarder là, de pas être en train d'avancer comme ça, de pas me prendre dans les murs. Le ce que je vais vouloir faire, ça va être une simple fluidité dans mes mouvements. D'accord D'aller me balader comme ça sur des maps, d'essayer de lécher des arêtes alors que je suis toujours en hipfire, c'est-à-dire que je ne clique pas droit, je suis pas en ADS. Du coup, bah je me balade on s'en fout des, des, des kills. Hein. Tu feras ça, toi, en custom. Je te le mettrai, ça. Je vais me balader, je vais lécher les arêtes, prendre les informations, avoir déjà une certaine logique d'entonnoir de comment est-ce que j'arrive dans une pièce. D'accord Je peux pas, à un moment, c'est impossible, à un moment que tout à l'heure tu as fait le choix d'aller te mettre là-bas. Et c'est un mauvais choix, forcément. D'accord parce, parce que, que... tu prends un sandwich. Ouais, parce que tu ne décomposes pas et tu ne respectes pas la pièce, au final. En face de moi, il faut que je la connaisse. Je vais avoir une pièce qui va être là. Je vais donc aller décomposer toutes les choses de la gauche vers la droite. Je n'ai pas de menace ici. Je n'ai pas de menace ici. Je vais pas de menace ici. Je n'ai pas de menace là. Je n'ai pas de menace là. Je n'ai pas, pas de menace là. Attention, là, je viens d'ouvrir vers une autre menace qui peut être ici sur Rainbow Six. Assez connu ici. Assez connu là au fond là, etc. Et je vais respecter toutes ces menaces, toutes ces possibilités de menaces. Alors, je vais un pas bio. le faire en mode. Ça, c'est ce qu'on va voir à la fin quand on sera en mode. Les deux derniers mois, quand tu seras euh, diamant, tu vois. comment est-ce qu'on va venir justement sur ces micro-pixels, tu vois, essayer de de, de, de trigger, de venir, de venir jouer comme ça en mode pixel line et tout. Nous, on va y aller grossièrement. Néanmoins, on va pas aller à un moment. Euh, on, on, on va respecter le jeu et on va découper. Découper la tarte, comme ça s'appelle euh, dans, 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 dans le CQB, du coup, euh, mmh. pour venir analyser, pour venir... Bah, euh, 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 en, enlever les zones d'ombre, un peu comme sur League of Legends. D'accord. D'accord Donc là, je ne sais pas, j'arrive dans cette pièce, tout est sombre. Là, j'ai déjà le premier éclair qui est en face. OK, j'ouvre, 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 j'ouvre. Là, il n'y a plus rien dans cette petite pièce. Je vais commencer à avancer, d'accord pour éviter de m'ouvrir à trop d'angles, du coup, je vais préférer venir ici que venir mm -hmm. à la limite, ou alors à la limite en, à gauche. Mais là, je m'ouvre à beaucoup de lignes, tu vois. Donc, je vais ouais, faire ouais. le choix de venir là, d'accord Puis après, je vais commencer à me reculer. Je vais commencer à me reculer. Je vais commencer à ouvrir. En respectant, bien évidemment, le fait que si je connais la map, plus je m'ouvre vers des angles, plus je ralentis, tu vois. Et on va faire ça. Donc, au début, il n'y aura même pas besoin de faire de clic droit. C'est de la balade. Et ah, puis même avec le clic droit, t'es ralenti, donc euh, t'as moins de liberté de mouvement. Oui, mais c'est pas ça le, le, le but du jeu. Le but du jeu, c'est avant de comprendre les mécaniques qui vont faire que je vais venir sur un, un truc comme ça, tu vois, du chekopic, nananien, ta mère la pute là. Enfin, pas pas, quoi, hein, pas ta mère la pute. Mais euh, les tout, tous les gens qui n'arrêtent pas de me parler de chekopic, copique faut déjà savoir où est-ce est qu'on est bien placé, tu vois. Est-ce que cet mmh. angle-là, je suis bien placé en étant là, ou est-ce que je suis bien placé en étant là? Et ça c'est un truc que personne ne va t'apprendre. C'est un truc que naturellement parfois tu ne pourras pas comprendre quand tu vas voir ce tu vas te dire ah oh, il est trop fort sur son aim parce que le mec va faire Bam !» mais il va lui mettre une tête tu vois mais il l'a pas mis en étant euh, il l'a pas mis en étant là tu vois peut-être qu'il l'a mis en étant ici et c'est une grande différence au final que de savoir où se placer déjà sur la map. Je sais pas si tu vois ce que oui, je veux dire. Oui non mais je vois très bien ce que tu veux dire. Oui. Donc d'abord le premier truc c'est les déplacements basiques et se placer sur la map quoi. Là, j'arrive à peu près à cet endroit-là, je vais pas gérer je vais pas regarder l'escalier, je vais commencer à avancer ici, je me balade et là je fais un truc à chaque fois, je fais du droite et du gauche, tu vois. Oui, tu te penches ouais. Ouais, je me penche. Là, j'ai respecté quand même grosso modo le mec qui était au bout. C'est une grande ligne, j'ai pas fait ça. Non, j'ai fait ça et je suis revenu. Et je vais faire ça, cette espèce de petit tango de Rainbow Six là où je vais danser un petit peu. Toujours au niveau de la tête. Et ça, il faut le faire. Au niveau Silver, tout le monde devrait faire ça. D'accord. Et alors attends, quand tu te penches, t'es en. Euh, moi je suis en hold, ou... Non non, moi je suis en maintenir. Mais la, les en pros, maintenir. les pros sont en activé désactivé. Ça ne changera rien dans ce que je viens de faire, rien. D'accord. Si t'arrives pas à faire ce que je suis en train de faire là, alors c'est, euh... alors alors il y a, il bah, faut s'entraîner encore plus. Ok. Ok. Là, je vais gérer ça. Je vais voir. Attention, je vais respecter cette ligne-là. Je vais y aller. Attention, il peut y avoir une personne ici. Bam, je danse comme ça. Et quand déjà je commence à être agréable dans mes choses, et quand je commence à avoir des, des déplacements qui sont quand même relativement, euh, relativement fluides, propres, où je ne suis pas en train de faire. Merde pssst, hein, Parce que ça, là, les silvers qui confondent vitesse et précipitation, on en voit tout le temps. Hein, qui vont être en mode. Ils, ils vont avoir deux threads à gérer. Merde de menaces, du coup, parce que ils se sont trop avancés, parce que voilà quoi. Donc faut déjà. Avant de vouloir aller taper la piste rouge qu'elle la Ranked, d'abord mm -hmm. on commence sur une piste baby avec peu d'inclinaison quoi. D'accord. Au ski. Désolé pour la métaphore encore une fois de plus. <laughs> non mais t'as le droit. Ouais. Merci E0663250. C'est quoi ce pseudo, nom de Dieu Merci poulet. Une fois qu'on a commencé à faire ça, après on va commencer à voir du clic droit, tu vois, on va commencer à voir quelles sont les mécaniques pourquoi Mais avant avant de parler de face check, avant de parler de vraiment des mécaniques d'angle, de machin, du bien lécher les arêtes et tout, en silver, en gold, ce qui manque surtout, c'est juste des éléments de stratégie de base en fait. C'est le fait de partir avec des gens qui respectent le jeu. Qui vont pas aller faire mumuse à se balader à l'autre bout de la map. Qui ah, vont, ça, c'est sûr, ouais. Tu vois, qui vont communiquer les éléments, qui vont parler déjà. Où est-ce qu'il est, qu il, est Il est où Il vient de rentrer dans le main, le machin. Ah, donc déjà, qui ont les calls sur les maps. Des éléments vraiment euh, extrêmement basiques au final. Ah, c'est le, le lexique, euh, je l'ai pas du tout. Le lexique de, de R6. Eh ben ça c'est un souci, et ça c'est le deuxième souci ouais. pour le coup Et il y en a un autre souci parce que j'ai fait une partie récemment avec un un, un diamant, justement. Et euh, déjà d'une il a été étonné que je ne connaisse pas le son des armes, de chacune des armes, et euh, par rapport au lexique, il y avait des trucs que je comprenais pas, genre le T1, c'était quoi pour moi Et beaucoup. Il y a, y a ces, ces basiques-là que je n'ai toujours pas acquis et que j'ai pas encore pris le temps de faire. Ok. Si tu veux devenir un joueur champion, il faut avoir ta capacité à te remettre en ouais. question et toujours te poser la question pourquoi. Donc cette question, je te la pose maintenant. Pourquoi tu ne sais pas le faire Parce que j'ai pas, euh, pris... enfin, pas pris, enfin j'ai pas pris l'initiative de le faire et je, je ne savais pas déjà de base. En fait, c'est pas venu instantanément. C'est quand quelqu'un m'en a parlé une première fois. Si personne m'en avait parlé, je pense que ça aurait duré longtemps cette euh, ignorance de. Par rapport au lexique et, euh, et au son des armes. Ok. C'est arrivé quand euh, Hier. Ah oui d'accord, c'est récent. Donc c'est récent, oui. T'es allé te renseigner depuis euh, Oui, j'étais mon renseigné. Ça fait quoi euh, Alors pour les armes, euh, j'ai pas encore regardé, mais pour le lexique, j'ai regardé sur Internet, j'ai tapé euh, le euh, lexique, je... R6, eSport. Calls, euh, ça, ça s'appelle du les coup. Hmm. Calls, oui, c'est ça. Ouais. C'est à 2 ls il y a une mais... map qui s'appelle R6 Maps ou R6 Cold, donc ils ne sont pas... Ok, donc si je te parle du main de Oregon, de l'armurerie... Euh... Oui, alors les salles, je les connais, mais c'est les noms bien spécifiques que donne la communauté à ces zones-là, justement. Par exemple, là, tu m'as parlé de l'armurerie, euh... c'est... Euh... Je ne sais pas te connais, c'est au sous-sol Non. Non Attends, tu me dire Oregon Ouais. Ouais non, là, à l'armée je vois pas où c'est. Euh, J'avais confondu les frontières justement, mais non. T'as le permis de conduire Oui. Là, clairement, ce que tu viens de me donner, pour moi qui suis, euh, qui fait passer des permis de conduire tous les jours, là, tu viens de me dire, je ne sais pas ce que c'est qu'un feu rouge pour moi. Hein. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? et Le problème, il est que du coup, tu as déjà commencé à conduire. Il va falloir casser des trucs parce qu'au final, tu pas le code de la route. Les calls, c'est hyper important. l'armurerie sur NB6, ouais. c'est hyper important. Et ça, il faut, il faut, va falloir que tu prennes. Parce que mais tu vois ce que je veux dire? Quand on parlait tout à l'heure de ma métaphore de merde de monter l'Everest, mm -hmm. je pourrais pas le monter à ta place. Je vais pas te mettre sur ah ouais, non Donc, ah bah non. il va falloir que tu fasses l'effort d'aller chercher les calls. Et mmh. donc, du coup, de taper, de regarder des vidéos sur YouTube, etc., de comment on appelle ça, machin, euh, de regarder du R6 Maps ou ce genre de truc-là, tu vois. Mais là, je, là, je tombe des nus dans le sens où je me dis, comment est-ce que c'est possible que sur une map comme Oregon, j'ai pas cité une map, euh, j'ai cité la map emblématique de Rainbow Six quand même. Mmh. Et j'ai cité l'Armerie, qui est la pièce emblématique de la map emblématique de, de, de Rainbow Six pour moi. Du coup, comment c'est possible quand, Comment ça se passe en silver, du coup Les gens ne se parlent pas Ils ne donnent, ils donnent pas le call euh, Ouais, en temps de discussion, c'est mort. C'est euh, pour ça que quand je suis avec mes potes, on a notre, entre guillemets, langage. Parce que quand on ping, on a le nom de la map, enfin, on a le nom de la zone qui apparaît. Ouais. Donc, fois, on, donne, on donne des détails bien précis. Par exemple, s'il y en a un qui rentre côté euh, étage, côté euh, ours empaillé, on va dire ours empaillé, justement. Mmh. on se comprend non nah, ouais mais ça c'est on se comprend c'est le meilleur moyen de ne pas se comprendre ouais. ça c'est il y a des calls et c'est pas super bien fait sur Rainbow Six mais mais, mais ça fait 10 ans que j'ai pas joué à CSGO si on me dit short je sais où c'est la short si on me dit bunker je sais où il est le mec si on me dit dans le pitch je sais où il est le mec et je sais qu'on est en train mmh. de parler de Dust 2 et pas d'Overpass quoi et mais, parce que il y, y, a, y a des noms comme ça et, 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 et ça fait partie du euh, euh, ça, et sur Rainbow Six plus que sur tout autre jeu c'est extrêmement important et non seulement c'est extrêmement important c'est à dire que quand tu vas commencer à maîtriser les calls et jouer avec des gens qui maîtrisent les calls tu vas dire ah ouais mais ça a rien à voir comme jeu en fait ah bah... parce que là c'est un parties. GPS les mecs vont te dire où sont les bonhommes donc tu sais comment les négocier tu sais comment aller les niquer tu sais où il est tu comprends voilà ah bah dans les parties d'hier euh, oui euh, là j'étais dans un autre univers et pour le coup euh, bah, ça m'avait motivé sur le coup c'est pas mal ça C'est sûr qu'en silver, qu silver Et diamant, platine, émeraude bah, C'est cool. pas le même univers Ça donne beaucoup plus envie Donc si tu veux apprendre une, un, la façon euh, difficile euh, Au tout début du jeu Moi que je faisais pour euh, les joueurs Pour les faire apprendre les mêmes calls Et qu'on ait tous les mêmes calls ensemble C'est toujours la même Tu pars sur Oregon, la première porte T'as la double porte mm -hmm. tu, tu rentres dans quoi alors dans le port t'arrives dans le hall, sur ton côté l'escalier. Main. Main main du coup. Ok. L'escalier. L'escalier c'est l'escalier armerie. Ok. Et oui, donc, du coup voilà, tu. C'est bon je vois la salle. Cool ah, super. Au dessus du, ga... okay. au -dessus du garage. Absolument. Bah, bah, tu, me re... tu refais tout le, 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 le passing. Tu refais tout le truc tout le parcours là. En, en, tu reprends okay. du début. Main, tu montes escalier direct à droite. Non, ouais. escalier, c'est pas un call du coup. Es un escalier, c'est un truc générique. Il a un nom et c'est escarmerie. Okay. Escarmerie. Voilà, parfait. Ensuite, euh, après armerie, euh, tu avances de ce côté. Ah, Je vais dire hors sans pays mais du coup, non, c'est pas ça. Non. Là, t'as une fenêtre qui s'appelle fenêtre parabole. Souvent, ouais. elle est utilisée parce qu'il y a une parabole juste à côté. Cool. Tu reprends du début. Ok, Main, Escalier Armory, euh, Armory du coup, euh, ou Fenêtre euh, Parabole. Ouais, ensuite, le euh... l'Ours Empaillé du coup, c'est la salle des... Elle est, la, la première fois qu'on a vu cette salle-là, c'était euh, sur Chalet. C'est une salle avec plein de... Les Ours Empaillés, les trucs comme ça. Comme ça, t'as le truc mn mnémotechnique après j'ai dire trophée mais non ouais, si c'est ça, pas ça, c'est trop voilà, la trophée du coup tu reprends donc, euh... depuis le début et tu fais que ça d'accord donc main euh, escalier armurerie armurerie fenêtre euh, satellite ou aussi parabole Containe, sinon, parabole aussi euh, non, mais il mais... est là le truc ah ouais tu n'as et tu n'as absolument pas le droit de, de croire ah non mais non pas bah, sous prétexte que ça ressemble à peu près à la même chose etc sur rainbow six et, 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 et si tu veux vraiment aller au niveau du champion, il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc tout se jouera sur les détails. Et il y a une grande différence entre dire satellite et parabole, tu vois. Moi ouais, je veux. Donc si, si le truc, il a un call, là pour le coup, c'est binaire. C'est soit tu as le bon call, soit tu pas le bon call. Tu vois okay. Donc... Parabole, ensuite. Parabole, euh, sale trophée. Cool, ensuite. Euh, sur la oh, gauche, euh, c'est. Deux, deux secondes. Merci pour les 1100 bits, Isaacs. Ziax, euh, pardon. Excuse-moi, poulet, t'es un monstre. Vraiment. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour lui, s'il vous plaît. À ma place, parce que je parle. Merci, poulet, vraiment. À ta gauche, oui. Euh, ma gauche, bah, c'est une chambre. Ouais, euh... parfait. C'est une chambre. Une euh, qui... quatre... chambre qui donne côté balcon. Cool. Alors, bon, je vais pas te faire. Euh... En français, les français l'appellent souvent chambre américaine. D'accord ouais. Et en anglais, c'est la Master Bedroom. Donc, ce, par définition, on l'appelle souvent Master. Master, ok. Moi, j'appelle Master, mais si tu dis chambre américaine, les gens comprennent, hein, parce qu'il y a un gros drapeau ricain dedans. Mais bon. Mais ok, mais comme tu veux. Euh... Le problème, c'est il y a beaucoup d'anglais hein, dans, dans l'école. Ah ouais, forcément, euh... c'est plus simple à dire, ça se dit plus facilement, mais effectivement, parfois, euh, main, machin, kitchen, truc. Euh... Bon, c'est chiant. Euh... Euh, le français est difficile, on le sait tous. Bah, c'est pas ça, c'est que souvent tu vas tomber. Si tu pars en solo, tu vas tomber avec des Anglais. La langue universelle et internationale, anglais. je sais pas quoi, c'est l'anglais. Donc tu peux pas arriver en disant ⁇ Yes, yes, cuisine, cuisine, oh, kitchen, it's the same. ⁇ Bah non, it's, it's not the same, en fait. Il y a qu'en France, qu France où on fait ça. Et en Italie, et en Espagne aussi, où on est un peu relou là-dessus. Moi aussi, j'adore mon bon vieux français, mais quand on tombe avec des Anglais, le respect, c'est de parler anglais. Quoi. Ouais. Ma, façon, ma version, c'est ma façon de penser. Bref, euh, Master, du coup, Master Bedroom. Master Bedroom, euh... Alors, euh, du coup, le balcon, on l'appelle balcon ou... Ouais, très bien, ouais, ouais, ouais. Okay. Balcon Master, euh... en fait, mais ça passe. Alors, il y a la petite pièce là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je veux dire, c'est un vestiaire, mais non, du coup Bah, si, c'est un vestiaire, mais ça s'appelle soit placard, soit closet. Ok. Ok. Et là, tu tombes devant la première problématique dont tu parlais tout à l'heure, à savoir le T1. Donc, ça, c'est le mur T1, le mur principal Pas vraiment. Pourquoi il s'appelle T euh... T, c'est pour termite en fait. Donc, à la termite. base de Thermite, étant donné qu'il avait deux charges et que c'était le seul hard breacher, oh. du coup, on définissait des, des murs comme étant le truc T1 ou T2. Donc, la première charge de Thermite doit être utilisée sur ce mur et la deuxième charge doit être utilisée sur ce mur-là. D'accord donc, euh, euh, voilà, Termite 1, Termite 2, quoi. Mais donc, T1, T2. Bon, bref, ce mur-là, c'est un peu un T1. Bon, c'est un peu un T1 bâtard pour le coup. Mais, mais mm -hmm. voilà. Le T2, du coup, tu le mettrais où, d'ailleurs euh, Alors, c'est pas comment ça s'appelle, mais moi, je l'appelle la tour. Alors, je sais pas si c'est ça. Bah, euh, ouais, c'est pigeonnier, Red Tower, Tour Rouge, Grande Tour. Mais okay. red, red Tower, ouais. Big Tower. Mais c la tour, mais il y en a deux. Parce que l'autre, même si elle ressemble pas vraiment à une tour, c'est quand même la tour grise pour certains. Ou le bureau pour d'autres. Ou le bout du monde pour d'autres. Euh, ouais, ah attends, ouais. c'est de quoi tu me parles là euh, Oregon, ça fait un L. Oui, ça okay fait un L, oui. D'un côté, tu as une tour rouge. De l'autre côté, ouais. tu as une tour grise. L'entrée <laughs> du spawn qui s'appelle Déchetterie. Oui. C'est une tour, ça. Alors, elle a bien changé, mais quand tu rentres dans ce truc-là, normalement, c'est une mini-tour au final. Parce que tu, 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 tu le vois quand tu montes dessus. Elle est bien, elle n'est pas aussi grande que le pigeonnier qu'elle a. le, le euh, En anglais, qui doit être le Watchtower, d'ailleurs. La mm -hmm. tour rouge. Hein c'est cette tour grise, mais ça reste une tour au final. D'accord. Je... D'accord, c'est une tour. Ok, je pas tiqué dessus. <laughs> Il convient de rappeler que la charte olympique, dans son article 17, fait de la langue française la langue officielle des Jeux Olympiques, en mémoire notamment de son fondateur, Pierre de Coubertin. Ouais, bah on s'est fait enculer là-dessus, mon gars. On n'a plus que l'escrime. Ah. Il nous reste plus que l'escrime. Mm. Mm. Euh, ok. Ça, désolé, ça fait beaucoup à retenir. Non, non, mais au contraire, c'est très bien. J'en euh, apprends. Et puis, avec euh, le résumé que tu vas faire euh, aussi, ça va être pareil. Et les exercices ah à ben faire là, derrière. Oui, ouais, a... oui c'est ça, des exos. Donc, du coup, tu reprends du début. C'est reparti. Main. Main, euh, bon, je vais dire stair en anglais, mais oui, monster, euh, armor, armurerie, euh, fenêtre, euh, antenne. Non. Euh, c'est pas antenne. Euh... Merde, j'ai oublié. C'est pas antenne, c'est pas satellite. C'est pas un râtelier. Non. Ils font quoi pour capter un satellite si je puis dire j'ai dit un récepteur mais non euh, merde bah, si c'est un récepteur quoi mais qui a une certaine forme qui définit le nom de la dite antenne d'ailleurs <laughs> j'ai oublié ah oh, punaise j'ai oublié euh... parabole parabole ok Ok, mais c'est vrai que tu as 25 ans, tu pas connu la télévision par satellite, toi, du coup. Non, j'ai connu Ratelier, par contre. Ah ouais, d'accord, oui, c'est vrai que vous êtes en Normandie, donc c'est quand même encore un peu le tiers-monde. Ouais, c'est bon, ça a changé. On a la fibre, au moins. Ok, c'est reparti. Allez, et à chaque fois que tu fais une erreur, tu. T'es ouf ou quoi Rennes, capitale des télécoms en France, quand même. Bref. Du coup, c'est reparti. Main, SK Armure. Fenêtre. Putain, fenêtre. Euh... J'ai encore oublié. Putain. Ah hum... Satellite, non. Antenne, non. Euh, parabole. Si. Oui, parabole, voilà. Cool. Parabole... On recommence du début. <laughs> Main, escalier, armure, ar armurerie, euh... fenêtre. Parabole, merci. Cool, euh... recommence du début. <laughs> Men, escalier, armure, armure, fenêtre, parabole, sale trophée, euh, master. Cool, dans l'autre sens. Euh, ok, master, euh, sale trophée, fenêtre, parabole. Cool, t'as vu, vu maintenant, tu, tu, tu hésites plus sur fenêtre, parabole. Ah oh bah je... Voilà. C'était chiant. C'est moins la con ça. Oui, mais bon, c'est pas moins la con. Mais t'as eu du mal. Ouais. Tu viens de sortir de ta zone de confort. Mais maintenant, c'est agréable à dire fenêtre parabole. Quand tu feras un kill fenêtre parabole, tu t'en souviendras. Ça vient de rentrer ouais. dans ta zone de confort. C'est ta nouvelle zone de confort. Tu viens d'élargir ta zone de confort. Et voilà, et c'est juste agréable. Mais l'action d'élargir sa zone de confort, c'est de sortir dans l'inconfort. Donc c'est forcément inconfortable, donc pas, c'est pas agréable. Bon, l'apprentissage n'est pas agréable, en revanche les résu le résultat de l'apprentissage est agréable. Et sur Rainbow Six, c'est que ça. Il va y avoir plein de moments désagréables, si on veut bien évidemment y aller. En revanche, le résultat est agréable. Une fois qu'on commence à parler tous le même langage, waouh, ça c'est sexy, ouais. ouais. Ok, donc du coup, master, ensuite. Euh, balcon, euh, placard ouais. et T1 du coup. Tu casses le T1, t'arrives où euh, Billard. Il y' a pas de billard dans cette pièce. Euh, C'est un baby foot. Ouais, y a un baby -foot en ouais. euh... Comment elle s'appelle d'ailleurs cette pièce là Moi j'appelle toujours ça Dark. Pendant... Avant c'était pas un babyfoot c'était un groupe électrogène qui était là. Euh, gaming non Games, hein Ouais, games. Ouais, ouais, on est d'accord. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on dit pas gaming. Gaming, on va, on va, c'est games. Salle de jeu, au final. Ouais. Games. Mais C'est vrai qu'on ne l'appelle pas. C'est rare d'avoir un call à cet endroit-là en disant dans le games, quoi. Parce que tu vas souvent dire T1 ou trop de retard, ou Babi, qui est une plante défaut. Bon, voilà. Euh, ouais. okay. ok. Ensuite, tu pars vers... Euh, Vas-y, dis-moi, vers où Fais-moi rêver, fais-moi voyager. Ouais, il y a plein de zones là euh, sur ta gauche. T'as directement l'hélice pour poser, donc le dortoir. Dortoir, ouais, c'est un vrai call ça. Par contre, t'as deux dortoirs. En anglais, en anglais, dortoir. Ouais, j'en sais rien. Bedroom. Non, ça c'est chambre. Dortoir, ouais, c'est ouais, dormitory, donc c'est pas tu vois dorm et, 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 et le petit mot c'est dorms, d-o-r-m-s, dorms. Donc du coup, quand les gens disent dorms, c'est là en fait. Dortoir, dorms, c'est c'est pareil, c'est ça ressemble, c'est facile pour le coup. Voilà. Et par contre, du coup, comme tu as deux dortoirs, tu fais comment pour les, on les discerner On s'en fout. Il y aura forcément, si c'est mal fait, euh, il y a forcément un call par pièce. Justement, quoi. Mmh. Voilà. Donc, dorms. Et l'autre, du coup, dortoir, euh, en fait, c'est pas vraiment dortoir. un dortoir, c'est un dortoir pour euh, enfants, qui est mmh. devenu une chambre pour enfants en français, et qui est devenu kids' bedroom. Et souvent, on enlève le bedroom. Parce que tout à l'heure, je t'ai dit master bedroom, mais on enlève le bedroom pour devenir master. Et kids bedroom donne kids au final. C'est plus rapide à dire. Ouais. Et voilà. Donc du coup, c'est les enfants. Donc du coup, je suis dans le main, je vais escarmu, armu, fenêtre parabole si j'ai envie, trophy, j'arrive dans ma master, je pète mon T1 dans le closet. Closet, en mm -hmm. anglais, c'est le placard, quoi. Euh, j'arrive games, j'ai mes dorms, j'ai ma kids. Voilà. Et là, on commence à discuter, là. Là, je suis en train de voyager, là. Moi, je vois où tu parles, tu vois. Ok. Bah c'est parti, continue. Je te tu me fais toute la map. Euh, ok, bon, bah, on va continuer sur l'étage. Euh, retour euh, Games. Alors là, par contre, je connais pas cette euh, zone-là. Euh, le couloir vers la tour euh, rouge euh, Ouais, c'est... Pas un couloir, pour le coup. Je sais pas comment ça s'appelle. Grenier. Un grenier. Et c'est traduit grenier en français sur le jeu, hein, c'est traduit grenier et attic euh, d'où le fait que c'est très drôle, le procédé mnémotechnique, quand les gens euh, crient attic attic. attique. attique, attique. Ouais. <laughs> aïe, aïe, aïe. Ah, et donc, du coup, ça, tu t'en souviendras. Du coup, maintenant, si tu Et <laughs> ouais. eh bah ben, tu t'en souviendras, ça te fera marrer. Et voilà, c'est justement le principe d'un procédé mnémotechnique. Eh <laughs> hey, non de okay. Dieu, zi, Ziax, tu viens de claquer 2900 balles, mec. 2900 balles, non j'aimerais bien. 2900 bits, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Euh, ouais. euh, envoyez plein de GG, plein de cœurs s'il vous plaît pour Ziax. Je suis désolé, j'arrête pas de, de parler. Et... Voilà. Donc... Attic. Attic, euh, du coup là-bas au fond ça va être le T2. Ouais. côté tour rouge. T'arrives tour rouge, ouais. En haut dans la tour rouge il y a une... Euh, alors c'est pas un balcon. Non, euh, c'est un autre nom. Oui. Euh, Bon, c'est pas dur. Hein. Mmh. Bon, ça commence par un P, ça ressemble à quoi Une. Ah. J'allais dire une perchoire, mais oui. Une perchoire ah, Un perchoire, putain con. Euh, non, non c'est pas un perchoire. Euh... Une passerelle. Pas. Une passerelle, ok. Ma passerelle. Ensuite, tu descends au rez-de-chaussée, on s'en fout. Euh, tu pars vers les couloirs, là. Oregon. Euh... Couloir côté cuisine Ouais, il a un nom, lui. C'est moi qui l'ai appelé, celui-là. Ça, c'est Bibi, ça. Alors euh, là, je sais pas. Le green. Enfin, si tout le on l'appelle comme ça, parce que les gens aiment bien. Euh, comme les gens peuvent pas me blairer, ils changent les noms, quoi. Mais green, c'est moi, ça. D'accord, donc. Euh, <laughs> escalier green. Non, 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 pas escalier. Le couloir qui va vers la kitchen. Ah, couloir le couloir, et vert. couloir oui. Couloir green. le ah. euh, euh... Tu arrives, du coup, dans la. La cuisine. OK. La kitchen en anglais, ça va, c'est pas trop dur. Oui, c'est pas compliqué. Bah, franchement, l'avantage c'est que si tu commences à apprendre les noms en anglais, OK, en règle générale, à moins de partir avec des mecs qui sont vraiment, vraiment, vraiment pas bons, bon, euh, si tu commences à partir même avec des gold, si tu leur dis kitchen, ils ça vous sait, tu vois. L'avantage mmh. c'est que si tu tombes avec des Anglais et que tu leur dis kitchen, ils ça vous sait. Si tu commences à leur faire cuisine, ils vont te faire what the fuck. Voilà. Ouais. Donc, du coup, cuisine, après tu pars. Hum, alors, si on peut te pas les murs, on va directement dans. Alors, c'est le réfectoire Ouais, mais personne ne l'appelle comme ça. On utilise oh. souvent le terme anglais, justement, qui est le terme de salle à manger. Ok. Qui se dit dining room. Dining room. Et Dine. du coup, qui est devenu dining. Dining, ok. Ok. On tient bien parce ouais. que je vais te faire euh, répéter tout depuis le début. Hein. Oh, puis moi avec l'anglais... Euh... Ah bon ça, oh, mais attends. Dining à dîner quoi. Dining. Voilà, parfait. Avec un super accent en plus. Impeccable. <laughs> bah c'est vrai. Tu n'as ouais. pas dit dining, tu as dit dining. Et bah c'est parfait. Non mais les Français, on a vraiment tendance à trouver qu'on est nul en anglais. Mais franchement, mais faut, faut vraiment... Enfin c'est incroyable. Bah, Bref. Euh... C'est pas grave. Ok, dining. Après, il y a quoi alors, t'as le mur qui donne directement sur la salle de bain, mais il y a deux portes. Euh... Salle de bain, bro, bon, c'est bon, c'est bien déjà. Ouais. Après, attention, oui. les Anglais l'appellent plus Locker ou Shower, qui est la douche shower. au final, mais oui. ou Locker. Locker, c'est euh, les casiers, en fait. Tu sais, les Lockers, okay. tu vois, tu l'as dans les jeux vidéo. Ah, oui, là. Oui. Les Lockers, on en parle souvent euh, dans, dans, oh, dans toutes les séries, les machins, les trucs, tous les casiers à l'américaine. Hein, voilà. Bon ce sera shower. Hein. Shower, ouais bon ça va. Là là. Euh, Après t'as la tour grise, problème. du coup. Tour grise. Euh, avec la passerelle à l'étage. Personne ne l'appelle passerelle ça. D'accord, donc c'est juste tour grise. Il y a un bureau en haut. Ouais. Quel seul bureau de la map pour le coup. Avant qu'elle était en bas pour le coup. Mais bon, euh, bref. Là où il y a pas mal de spawn pick Oui, ouais. Shower, mmh. bathroom, ouais. Locker c'est plus border. Oui, c'est vrai, mais il y a des gens qui l'appellent lockers, le, les, le, le la bassroom de de Oregon, parce qu'il y, y a un gros casier au milieu, quoi. Hmm. Ok. Du coup, ensuite on avance et on va finir vite fait dans les grandes lignes. Euh, ouais, on est côté, on est au niveau de l'escalier qui ramène directement sur le Dorado. Ah, cet escalier il est emblématique depuis 2015, celui-là. Il a une couleur et un il nom. Est... Oh je peux être quand mais je crois qu'il est rouge. Non. Ah, pas du tout. Non. Il est euh... blanc. Il est blanc. blanc. Ouais, il y a de la brique blanche en haut. Il y a de la il brique blanche et blanc. si tu te retournes. Donc ça s'appelle le white. Ou le euh, white stairs. White stairs, absolument. Ou alors le blanc. Escape blanc, Escape blanc. Ok. okay. Euh, du coup après on descend si on descendait en dessous de ces white stairs on va dans le... euh, la petite salle à gauche euh... elle s'appelle comment déjà alors, avant de... oui alors quand on est le scaler, un peu directement t'as la serveur six room quatre je crois H -E -Y, six quatre euh, non c'est C ok L -O -V -E attends -E -E -E. ah, quelqu'un qui m'aime beaucoup merci pour les 1 an euh, Natouf t'es un monstre poulet merci beaucoup ok euh, alors là, c'est euh, un peu plus compliqué, enfin vite fait, mais mmh, voilà. Mmh. Euh, souvent, les salles de sécu sur Rainbow Six, elles ont euh, le même nom. C'est ce qu'on appelle les CCTV. CCTV Ok. Tu as déjà entendu ça, non Oui, bah justement, hier, je l'ai entendu. Oui, bah voilà, parfait. CCTV, pour CCTV, en, bah, prononcé à la française, quoi, c'est des machins. Donc, c'est. Euh, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est un anagramme. Ça va être caméra, contrôle euh, camé con contrôle TV Room. On, on s'en fout. On l'avait déjà, déjà regardé ce que ça voulait dire exactement. On s'en bat les mm -hmm. couilles. En tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle. Centre caméra, télésurveillance, je crois. Oui, ok. Ouais. Euh... Salle de surveillance abrégée, il me semble. Security. Room. On s'en fout. Bon, bref. Du coup, CCTV. CCTV, ok. Ouais, ça passe. Closed Circuit Television. Ok, c'est euh, télévision en circuit fermé, du coup. C'est C'est CCTV. CCTV. Voilà. plus simple. Oui. Ah, bah non, mais ça, c'était juste pour nous, pour savoir ce que ça voulait dire CCTV, c'est okay. bien. De, de Par contre, les, du coup, le couloir qui est au niveau de la, du main et de la CCTV, il a un nom ou pas Ouais, c'est le, une lettre. C'est une lettre Ouais. C'est pas le Z, S, si. non Bah, si Z. ça fait un Z, c'est le Z. Ok. Ça, ah, c'est bien. T'avais une chance sur. Il euh, y a combien de lettres dans l'alphabet Je sais plus. 26, 32, <laughs> 44, 26. 60, 72, 100. Oh, 26. Putain, la vache, je suis débile. On compte les, nombre... On compte les lettres grecques aussi 730. <laughs> Ta gueule, Victor. Oh la vache, le doute. Je voulais. C'est 26 qui me vient ouais, tout, tout de suite 26, et je fais, attends, c'était 26. 26 ou 27 ou 28. Allez vous le faire enculer, mon 20. fils de pute. Bon, bref. Euh, du coup, le Z, à droite du Z, il y, y a une salle là. Ouais, alors je sais pas du tout le nom, mais je pense que c'est guichet, un truc comme ça, non oh, oh, pas du tout. Pas du tout, non. <laughs> non, non mais je sais pas, j'ai jamais trouvé de nom à ce truc là. Ah oui, ben, bah, on en a trouvé un il y a 7 ans, donc je vais te le dire, laisse-moi te le partager. Il s'appelle salle de classe ou classroom. Classe hein Attends, le truc est au niveau de main, au niveau de l'entrée. Le à gauche, petit... c'est une petite salle de classe avec ah, des petites à chaises. Euh... Bah, à gauche, oui, mais. À... Ah non, je, je parlais à droite, moi. Désolé. Je parlais de la petite salle qui était à droite au niveau du main. Oui, non, il y a pas de salle à droite au niveau du main. Si euh... du si t'arrives de l'extérieur, à droite il <laughs> y a l'escalier. Si t'arrives du Z, effectivement, c'est à droite et c'est la salle de classe. Si t'arrives du Z, là. À droite, ouais, ouais. oh, c'est oui, okay. oui. une petite salle. Oui, qui s'appelle la salle de classe. C'est super geeky. Oui, mais on s'en fout, ça. On n'est <laughs> pas architecte. <laughs> non, non, mais c'est débile. <laughs> ok. Non. Ok. Bon, du coup, salle de classe. Salle de classe. Enfin, bon, okay. euh, classe, pour le coup. Classroom. Ok. Ah non, il y a peut-être les gens qui disent school en français. Parce que personne n'utilise le français là-dessus. On utilisera plutôt Classroom ou School, il me semble. Hein. Il parle du garage. Non, il parle pas du garage. Il savait où c'est le garage depuis tout à l'heure. Ok. Oui, Après, bon, que... il y a la grosse salle à gauche, du coup, de... quand tu reviens du zigzag, là. Ouais, alors j'ai je... l'impression que c'est une église, surtout que là. Eh ben. Bah, vu qu'on s'est positionné avec les chaises. Euh... Pas du tout. Non. Mais absolument pas. Mais je vois ce que tu veux dire. Avec les chaises, le machin, le truc. Mais ça s'appelle Meeting, du coup. Meeting, ok. Ok, voilà. Euh, mais ça aurait pu parce que si on connaît l'histoire de Oregon et du siège de, 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 de l'Oregon et de la secte dedans, il y avait effectivement une église pour le coup. Il y a un très bon documentaire qui existe sur Netflix euh, et qui fait voir du coup le siège euh, le siège le siège de cette euh, de, de cette secte pour le coup, qui était en, okay. le siège de Waco effectivement, qui était euh, qui était en Oregon. Bref, dans l'État. Euh, du coup où ils ont tout cramé. C'est quoi le documentaire Ah, ils l'ont sorti, Il y a... c'est assez vieux, il y en a plein des documentaires. Mais il y en a eu un sur Netflix il n'y a pas très longtemps, là. Avec tout, tout, toutes les images d'archives, quand ils font tout cramer et tout, c'est assez, assez incroyable, quoi. Ah non, c'est pas au... à Oregon, c'est au Texas, ouais, il me semble. Oui, oui, oui. Ils avaient appelé ça Oregon justement pour pas avoir de problème. Ouais, c'est possible, ouais. Bon, bref. Oui, attendez, deux secondes. Donc... Euh, meeting. Meeting, ouais. Et après, on retourne directement sur la tour. Euh, ouais, entre le, le main là, et, et le meeting, il y a une petite salle qui s'appelle le drapeau, flag. Oui, euh, oui, c'est l'espèce le, de transition entre les mains et le ouais. euh, meeting. Ouais. ouais. Souvent, ce genre de truc-là, en fait, on les appelle les connecteurs dans le jeu. Sur Rainbow Six on les appelle souvent les connecteurs. Euh... Et en règle générale, ça aurait dû s'appeler le connecteur. Mais la raison pour laquelle ça s'appelle pas le connector, et je vais te le dire parce que c'est moi qui l'ai trouvé ce truc, c'est que avant le, avant le rework du basement, le RAID, l'EDF ne s'appelait pas EDF. Ça a été inventé par une équipe française qui disait EDF tout le temps. Les anglais utilisaient, je sais plus, euh, euh, comment ils l'appellent déjà l'EDF Mais souvent on dit EDF. Moi, Enfin, moi, je, souvent je dis EDF en tout cas. Mais avant, nous, chez Youngtis, on appelait ça connector. Et c'est moi du coup qui ai dit on a appeler ça flag. Potter, non, Potter c'est en dessous de l'escalier, ça a rien à voir. Pot Harry Potter, ça c'est Yungtis euh, aussi, ça. Potter, ça vient de Yogurt qu'il a inventé. Le fait que ce soit sous l'escalier et de dire Harry Potter. Mais ça, pareil, c'était en février 2016. Euh... Et donc, du coup, je ne vois plus le DF là comme ça. Bah, le DF, pour moi, c'est le dropper du meeting en fait. Mais c'est l'entrée, quoi. Voilà. Le, le, la box là, le raid là, ouais. à côté de Checo. Bon bref. Potter c'est Escablou, Potter c'est Escablou, ouais. ouais ouais. EDF Elec, ah oui bien vu, voilà, Elec. Ah, et ça c'est Leven pour le coup. Donc euh, euh, qui disait tout le temps, euh, qui a inventé le call EDF, il me semble. Qui est devenu flag du coup. C'est marrant qu'après le rework ce soit resté EDF Elec. Non non non, c'est pas si con que ça puisqu'il y a toujours des transfos à l'intérieur. Il y a toujours une boîte, euh, quand tu es à main courante à droite, là, à droite, dans le petit coin, tu as toujours une petite boîte de fusibles et tout, donc c'était assez logique. Mais avant, effectivement, c'était plus parlant. Et nous, on appelait ça connecteur, on n'appelait pas ça EDF, et c'est euh, Leven qui a internationalisé son truc. Quoi. Ah. Quel homme, ce Liven. Eh ouais, c'est marrant. Bref, du coup, euh, on est où Allez, on est dans le ouais. meeting, on descend l'esca bleu qui est de l'esca du, du... de la tour de rouge. Tour hein. rouge ouais. mmh. euh, ah, puis là, regarde, ouais, là, les salles... Euh... Bah déjà, ah t'as as, as de là... Le top du top, sur Rainbow Six, mmh. ce serait non pas d'aller de, 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 jusqu'au call des salles, qui sont pour moi, comme je te disais tout à l'heure, le B à bas du jeu. Le top du top, c'est d'avoir des calls quasiment sur chaque mètre carré. Le top du top, ce serait pas de dire le mec il est meeting. Le mm -hmm. top du top, ce serait de dire le mec il est F14. Attention, il est en train de bouger en F16 ou en E12. Le top du top, ce serait d'avoir un quadrillage qui est tellement puissant que tu puisses savoir quand je te donne un call la position exacte du bonhomme. Comme un jeu d'échecs. Exactement. Un quadrillage. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu les choses. C'est impossible à mettre en place. Mais en revanche, sur certains bombes-sites, c'était le cas par exemple euh, sur euh, Clubhouse, où le. T'étais obligé de compartimenter. Meeting fait partie de ce truc-là. À droite, il y a un nom. À gauche, il y a un nom. Au niveau du sandbag, il y a un nom. La scène a un nom. C'est la scène, quoi. Ouais. D'accord. Eh ben, là, dans l'endroit dans lequel tu arrives, tu es en bas de ces escaliers blancs, c'est la même mmh. chose. Tu as une salle, mais le nom de la salle en elle-même. Elle n'a aucune importance. En revanche, il y a Pourquoi trois éléments qui sont dedans, trois noms qu'il faut connaître, qui sont du coup le pilar, le pilier. Donc le pilier, oui. Donc ouais. quand tu es son escalier. Potter pour Harry Potter, parce que Harry Potter habite sous un escalier. Donc Harry Potter, ouais. c'est en dessous de l'escalier. Et une enfin, Sheiko, dessous. parce qu'il y a un Sheiko sur chaque map. Ouais. Et, euh, et Sheiko, c'est l'entrée du bleu, du coup. C'est la porte qui t'emmène vers le bunker bleu à gauche. D'accord, ok. Voilà, Donc ça euh, c'est oui, Shenko cet endroit-là. Euh... Et là t'as trois endroits du coup. Et ça faut les clair. connaître. Pilar, Pilar Potter, Potter Shenko, Pilar, Potter. Ok. Et après, d'en bas du coup, bon tu vas avoir ton bleu bunker si tu veux, bleu, c'est bleu, c'est une bâche bleue par terre, machin. Ouais. Euh, tu vas avoir ton T2 aussi que tu vas retrouver là-bas, ou ton T1, on va dire que c'est l'elec et le T2 c'est celui qui est à côté, mais c'est pas tout à fait vrai, mais bon. Le T1 c'est l'elec, si tu arrives du bunker, et le T2 c'est celui qui donne directement sur le, sur le, sur le bomb site en bas. Ouais, celui-là qui est au niveau de quand tu rentres par l'extérieur direct sur la gauche. Ouais, c'est ça. ça, exactement. Ouais. exactement. Euh... Et puis ensuite, bon, euh, voilà, les autres éléments, le... la plupart du temps quand tu attaques ici, quand tu es en silver, c'est parce qu'il y a un bon site. Donc si tu appelles A et B, ça va, ça passe. Okay et okay. de l'autre côté, tu as le fridge. Okay, grosso modo. Oui, le frigo, oui. Ça... Je sais pas comment j'avais fait pour, euh... oui. pour m'en souvenir ça. Moi, ce que je veux te y dire, a... c'est que tu peux pas être dans le... la logique de l'à peu près. Parce que pour devenir champion, il va falloir qu'on compartimente encore plus ces trucs-là. Donc plus vite tu les sauras, mieux mmh. ce sera parce que le fridge où tu me dis ouais le fridge c'est machin et tout le fridge y a, on, peut en, on, on peut mettre quasiment 5 à 6 positions dans le fridge il y a il y a 5 ou 6 calls dans le fridge le dropper de la trappe est un call monter sur la box est un call et regardez par-dessus le locker parce que ça donne une ligne venez jouer euh, euh, le, 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 le comment dire le l'esca l'esca du fridge est un call le bas des cas mmh. du frige doit être un call parce que c'est un truc qui est souvent joué, c'est à un gros niveau. Il y a souvent un mec qui va se mettre là avec un contact shotgun, etc., etc. Donc l'idée c'est de te dire dépêche-toi d'apprendre les calls de base qui sont vraiment les calls de base, à savoir le nom des pièces parce qu'après Rainbow Six et en particulier si tu as envie d'être Platinum Plus, mmh. il va falloir qu'on fasse des calls dans les calls pour être encore plus précis. Je... C'est un jeu d'échecs dans un jeu d'échecs limite. Et encore. C'est quoi le col de la petite pièce A, site A, basement, Oregon C'est Closet. Mais bon, j'avoue que dans le Closet, il est haut. C'est haut. C'est un peu la même problématique qu'avec les... la salle de bain des de... toilettes et la salle de bain qui ont toujours porté à confusion sur Consulat. Alors, je sais pas pour la nouvelle, je me suis pas... Allez, laissez-moi réfléchir. Bah non, sur la nouvelle, ils ont fait sauter les anciennes toilettes du bas. Donc il n'y a plus de toilettes en bas. Je fais le tour dans ma tête. Non. Donc ça va, maintenant ils ont rectifié le tir. Mais avant, il y avait deux toilettes. Avant, il y avait les pissoirs, toilettes publiques qui étaient au rez-de-chaussée. Et il y avait les toilettes privées du PDG qui étaient en haut au final. Oh, C'était chiant, en fait. C'était méga chiant. Mais tu peux avoir parfois, effectivement, deux calls. Euh, similaire euh, sur la map, mais bon, en fonction de comment ça se passe, en fonction de là où t'attaques sur le jeu et tout, bon, en, en silver, si le mec il dit closet sur un push de V2 en bas, on sait où il est, on sait que c'est pas la closet du haut quoi, ok Et si à un moment Toucher dit vas-y Ace, j'ai besoin de toi closet, alors qu'on sait qu'ils sont en haut, on sait où est-ce qu'il l'appelle quoi. Ouais du coup ces calls là pour les maps il y a un site qui les répertorie tous il ou... ah, y en avait un avant c'était le mien pour le coup et après il euh... n'y bah, en a plus y a... <laughs> je crois qu'il y, a... que... y a R6 calls non regardez parce que quitte à les avoir et à les apprendre autant que j'ai le site sous les yeux pour le prochain, là, pour, euh, Alors, il y a R6 Calls, <Scholes>, mais je ne sais pas s'il est bon, lui, s'il marche encore, si je vais sur les Border, par exemple. Hmm. Bon, ça va. C'est pas si mal. R6 Calls, là, ça va, c'est OK. Bon, détention, euh, prison, non? qui dit detention. Ah oui, dressing au top, c'est vrai en plus. Bon, il y a pas l'écho, en revanche que connu des pros quoi, il va pas y avoir une jungle ou un truc comme ça, mais passeport c'est bon. Bon là, c'est plutôt carré quand même, non Bon, tu as R6 calls en tout cas qui peut t'aider là-dessus quoi. Okay. Serveur bon, c'est bon, serveur, ouais. workshop c'est workshop ou atelier, bassroom c'est bassroom, teller c'est guichet, euh, lobby bon pas vraiment pour le coup, passeport c'est passeport pour le coup, euh, escapierre ou escast, euh, east stairs ça passe, euh, supply bon stock en français c'est plus facile à prononcer, ventilation c'est clairement ventilation. Voilà. Hmm. Okay, J'ai téléchargé ouais. sur Overwolf R6 Call et ça te traque ta position en direct. Ah, là, c'est <laughs> le basique du mini niveau Bah ouais, on est d'accord. Ok. Euh, du coup... Bon, il y a beaucoup de, choses, euh, beaucoup de choses à voir et à revoir, si je puis dire. Ouais. Il est quelle heure et Il est 20h40. T'es encore dispo, là, ou quoi je suis à quel oui, 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 bah oui. On a commencé à quelle heure Je sais plus. Euh, je crois qu'on a commencé à près 18h. Donc. là euh... la je parle trop. Putain, euh... mais le sujet est intéressant, donc on évite de barrer dedans. Euh, je ne sais pas si. Moi, je sais exactement ce qu'il faut euh, que je te donne, là, comme programme au final. Hum mmh. Parce que j'allais lancer un 1v1, mais ça ne sert à rien en fait. Voilà, pour le coup, ouais, parce que vu ce que j'ai voilà, fait... Voilà, à un... part te frustrer encore plus, euh, parce que bah, je viens de te faire tout changer et tout. Enfin, euh, je m'habitue là. Voilà, il faut d'abord que tu... Est-ce que tu as des questions euh, Là, franchement, non. Euh... Je pense que les questions vont venir plus tard à force de faire des exercices. Ok. De toute façon, je te le mettrai dans mon dans mon feedback. Tu me donnes, tu me tiens informé de ton évolution sur Discord, quoi. Oui. Je vais te donner plein de trucs que je n'ai pas dit ici là, et je te ferai une grande liste de ce que tu dois faire et pas faire, et voilà. Tu me laisses 72 heures à peu près pour t'envoyer le truc. Oui. Te oui, 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 euh... tapes pas une nuit blanche pour faire ça. Non. Non, t'inquiète pas, je vais, pas, je, vais pas faire ça. je vais le refaire. On revient dans 8 mois, 1v1, 6-4. 8 mois Non, non. Quand il est... On peut commencer à parler de placement, de, de, de trucs un peu sexy. Quand les joueurs sont, commencent à être platine, platine, souvent, c'est un peu des erreurs de placement. Ça va être des erreurs de, 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 de ce qu'on appelle le game sense en finale. Bon, ça va un peu tout et rien dire, mais bon. sur... sur comment, comment, comment appréhender un 1v1 un Comment. Euh, euh, comment gérer son temps, avoir une bonne répartition du temps, quand est-ce que je dois jouer l'objectif, quand est-ce que je dois pas jouer l'objectif au final, euh, faut-il pousser, faut-il ne pas pousser euh, Ça, ce genre de truc-là, on commence à en parler quand les gens, euh, euh, avec tout le respect que je te dois, savent conduire. Et on sait <laughs> conduire sur Rainbow Six à platine. En dessous, on sait toujours pas conduire. On fait de graves erreurs de conduite voire on n'a pas le code ouais, on se tape les poteaux quoi <laughs> bah, on se tape les poteaux parce qu'on a fait le choix de conduire alors qu'au final on ne savait pas vraiment conduire quoi le... ouais, ou alors bah... on fait des erreurs au code et ça c'est ok ça. mais il y a encore trop de ouais trop de trucs à trop de trucs à voir là ça va être dur non hein. ouais, je sais et le meilleur des trucs que tu puisses faire c'est déjà aussi de trouver des joueurs qui soient meilleurs que toi donc n'hésite pas à utiliser je te le mettrai ça mais ça c'est hyper important tu veux jouer avec tes potes parce que c'est tes potes le soir, très bien. Mais à l'heure actuelle, vu ce que tu m'as dit de tes potes, avec tout le respect que j'ai pour eux d'un point de vue humain, ils t'empêcheront te, ils d'atteindre tes objectifs. Ok, ok. Il, il, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, non, je Oxtac, ce que je veux dire. il ne va, va pas monter l'Everest avec ses potes parce que c'est ses potes, quoi, tu vois. Oui, mais là, il y va avec je... des personnes qui ont la même définition de ses objectifs et qui vont, voilà, vont s'investir autant que lui. Hmm. Si après tes potes ils veulent rester au camp de base, grand bien leur fasse. Mais... Mais voilà. En fait, c'est quoi le nom de la fenêtre après l'armurerie euh... <laughs> euh, Fenêtre par bol. Ah, tu vois Comme quoi. Ouais. Ça, ça rentre. Et puis à force de le travailler, ça va rester. Euh, bah oui, c'est ça. Faut, faut, faut taffer quoi. C'est du boulot, hein. Rainbow Six, c'est que du par cœur. Enfin, c'est pas que du par Mais de, de Silver à justement platine, à presque maintenant jusqu'à diamant, quoi. C'est vraiment du par C'est vraiment du par C'est vraiment des calls, la communication. Enfin, euh, c'est pas du par cœur, c'est de l'apprentissage, quoi. C'est pas, pas les mécaniques, c'est pas un gros aim, un gros truc, c'est machin, c'est juste de, des éléments logiques euh, voilà de, 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 à respecter. Voilà, de partir ensemble, de ne de, de, de pas commencer à avoir un mec qui dit Ouais, t'inquiète, euh, moi je vais roomer. OK Bon, le mec qui room avec euh, 004 de KD euh, Kavera, lui, bon, voilà. hein, lui on l'encule. <laughs> oui. Les fameux rumeurs qu'avera, on les ceux-là, Mais si, si j'ai fait une interrogation. Ah, ah, ok, bon, je t'envoie tout ça sur euh, metafile.gg. Ok, n'hésite pas. S'il y a des questions, okay. parce que moi je parle beaucoup euh, et je sais que ça, après, on a la tête gros comme ça parce que ça fait beaucoup d'informations. Euh, tu me les envoies sur Discord. Ok, à tête reposée, okay. euh, tranquille. Il a pas de souci. C'est bon pour toi C'est bon pour moi. T'es sûr Est-ce qu'il y a un truc que tu voulais rajouter Est-ce qu'il y a des, des, des choses sur lesquelles tu pas. Il euh, y avait des choses que tu voulais voir Il y avait des choses que tu voulais faire euh... Non, non, en vrai, c'est le principal, déjà l'histoire des calls, l'histoire. Ah oui, les armes à feu le par rapport au son. On s'en bat les couilles. Ça, on s'en fout Ok. Ah, c'est pas qu'on s'en fout, mais là, on est en. Tu te souviens de la métaphore de je t'ai dit de la conduite de Allez. connaître les armes à feu, là, de connaître le son des armes à feu, c'est l'équivalent de discuter de la pression des pneus. Ok, okay bon, oui, c'est intéressant. Parce que toi, t'as envie d'être champion de, de, de Formule 1. Donc, la pression des pneus, on va en parler, forcément. Mais chaque chose en leur temps, tu vois. Ok. Ok, bon, dans ce cas, non, j'ai pas d'autres questions. Les calls voilà, sont ouais, plus ouais, importants. Ouais. Partir avec les bonnes personnes sont plus importantes. Et respecter les méca... Respecter les. les, les, les... Voilà, les... respecter le jeu, si je puis dire, c'est le plus important. Après, les sons, oui, mais ça, ça viendra. Ça, ça c'est pas. Ouais. Bah déjà, là, passer de, stéro... enfin, de 7.1 à la stéréo, euh... la va falloir que je me réadapte. Oui. Sûr. Euh, de temps en temps, si tu sens que tu es perdu au niveau de la 3D, il faut que tu bouges ta souris. C'est un peu bizarre. Mais en gros, si tu as un son qui arrive. Euh... Ah, regarde sur le live parce que je vais pas réussir à l'expliquer je, je, je suis sur le live et je te regarde là. Ok Il faut juste que j'arrête le son Ce que tu voulais alors La spatialisation c'est l'aspect 3D au final C'est l'aspect de, de, de bah, C'est la spatialisation On rajoute un contexte spatial euh, euh, Un environnement au son quoi. On arrive à savoir d'où il vient Etc donc en gros, d'où il vient, ça veut dire quelle est le, la direction et quelle est à peu près la distance de, ouais. de ce son quoi. Bah, grosso modo, euh, grosso modo, ça marche un peu comme nos yeux en fait. Euh, comment dirais-je Quand on voit un objet de loin, quand on, quand on euh, c'est le fait qu'on ait deux yeux qui fait mmh. qu'on arrive à voir la 3D sur un objet. Si tu te caches un œil, tu vois en 2D. Ouais. Ça te parle, ça ou pas, ce. Vaguement, ce... ouais. Je vois le, je vois le, le truc, oui. Bah, si, par exemple, une personne qui a perdu un œil a beaucoup de mal à conduire parce qu'il voit en 2D. Donc, il a une très. C'est difficile pour lui de voir les distances. Au final, ce que je veux dire, c'est parce que notre corps nous permet d'avoir deux points d'entrée qu'on arrive à avoir ces éléments de 3D qui sont. Euh, la taille de l'objet, la distance de l'objet, etc. Si tu fermes Donc un bon. oeil, tu vas avoir juste une image. Donc, même principe aux oreilles, si tu une bouche, une oreille. Euh... C'est ça, mais un peu. C'est pas tout à fait ça. En gros, ce que je subtil. veux dire, c'est que. Euh, oui, parce que. Du coup, tu vas avoir le, quasiment le même son. Mais ce qui va se passer, c'est que. Euh, quand tu vas tirer, du coup. Enfin, là, je vais, je vais TK carrément. Mm -hmm. Et je vais monter le son sur mon live. Ce qui va se passer, c'est que de temps en temps, tu vas voir des pros qui vont être comme ça à un endroit, parce que le fait de pas faire de bruit maintenant, c'est hyper important, et qui vont faire des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Ça. Ce mouvement-là. En gros, c'est vraiment pour eux le fait de tourner la tête pour écouter avec leur, leur, leur oreille droite, pardon, leur oreille gauche. Et au final, c'est ça qui va te permettre avec ton stéréo parfois d'avoir un changement. Tu me vois parfois le faire en live quand je suis en mode roaming, tu vois. Euh, mm -hmm. C'est ce qui me permet d'avoir différente pers de, de, de différentes perspectives pour savoir d'où vient le son, etc. Et de savoir... Donc ouais. quand tu te penches, en fait, ça change le, la tonalité Pas du forcément son de chaque mais En fait, l'idée, c'est... Oh, ok lui, bon là je suis en train de le regarder pour le coup. Bon, lui il tourne. Là je vais essayer d'écouter par exemple un mec qui vient. Là j'entends un cadavre qui tombe. Là il y en a un qui arrive. Et le fait de, le fait de tourner, là, droite ouais, gauche, joue... ouais. Je vais voir la distance. Je sais où il est au final. Tu vois ce que je veux dire. Alors que si je reste sur un plan statique, je vais avoir qu'une seule entrée en 2D. C'est le fait de venir euh, en, au, au, au final, tu vois, écouter avec mon oreille droite et écouter avec mon oreille gauche qui va me permettre d'apprécier beaucoup plus la distance du, de, de, de là où se situe la distance et la qualité. Qu'est-ce qu'il fait Où est-ce qu'il est, qu est Pourquoi Tu vois C'est très clair. Oui, un peu comme oui, un oui, radar. J'arrive oui, pas à je veux, je veux... Tu... En fait tu veux confirmer la position du joueur, enfin du, joueur de... du son que en tu gros... entends, avec tes deux oreilles, mais en les bougeant de, de gauche et de droite. T'essayes es d'écouter comme ça en fait là. Tu ouais vois, là, là, là j'entends bien à droite. Mais, Et là, à gauche. Oui mais ça, c'est pas le fait de passer à droite ou à gauche qui est important, c'est le fait qu'en passant à droite ou à gauche, j'ai la confirmation d'à peu près la distance de là où il était quoi. Là on sait vraiment qu'il était juste là, tu vois le gars en train de mmh. faire son truc. Il était ni en bas ni en dessous quoi. Et parfois tu vois quand t'es un peu perdu, tu vas être comme ça en train de... Hein Il fait quoi Ah. Hein ouais. Et ça sur Rainbow Six, ça arrive très souvent de faire ça. Bon. Sauf si le mec est trop près parce qu'au moment où tu bouges, forcément tu fais du bruit. Tu vois euh... Si, si, ça va, c'est compréhensible. Bah, bon, bref. Donc, ce que je veux dire, c'est que. Ce qui va se passer, c'est que, étant donné que tu as éteint la spatialisation qui était créée par un logiciel. Mmh -hmm. Ok Eh bien, il va falloir que parfois tu la réactives d'un point de vue mécanique. Et pour réactiver cette spécialisation mécaniquement, de temps en temps, au final, il va falloir que toi-même tu crées ce 7.1 au final. D'accord, ok. Tu vois, là. Là on l'entend bien, on a bien entendu le son à gauche, on a réussi à dire où est-ce qu'il était, et donc que le mec vient vers moi, tu vois. Ah je sais pas, c'est compliqué. Après je sais pas si c'est. Je sais même pas si c'est explicable ou... Si si, en vrai si si le, Là j'ai bien compris comment tu voulais me... enfin procéder, me montrer comment... Là où est-ce qu'il était bah, le bonhomme connaît. là par exemple Je sais pas si on l'entend euh, bien. Le, attends, lequel, lequel attends. Un mec a renforcé une porte, tu vois, qu'est-ce qu'il faisait, où est-ce qu'il était j'ai pas fait gaffe euh, ah oui. quand j'ai parlé. Parce que clairement, lui, il est là, quoi. Est... Enfin, il y en a un qui a pété. Il... Qui a renforcé cette trappe-là que lui vient de. Enfin, cette porte-là que porte -là, lui vient là, de ouais. péter, quoi. Mais non, j'ai pas entendu quand j'étais en train de parler. C'est pas Et c'est tout. C'était juste pour te rappeler ça. Ne sois pas perdu. De temps en temps, tu vas devoir un petit peu bouger. La tête pour bouger entendre. la tête pour avoir différentes perspectives de son pour au final tu vois faire gauche droite est-ce que j'entends bien et surtout pour apprécier la distance etc donc mécaniquement en bougeant tu vas essayer de de récompenser le fait que tu es perdu euh, le côté software de la spatialisation que tu avais avant quoi le côté logiciel qui, qui était un peu recréé pour toi quoi oui, en gros, je dépendais du logiciel pour avoir le son. Quoi. Exactement. Tout en ne bougeant pas la tête. Et tout en n'ayant pas besoin de bouger la tête parce que tu dis « ouais, mais j'entends machin, truc bidule. C'est comme si on avait les yeux derrière la tête, quoi, en fait. D'avoir de... le 7 points, Entre guillemets. Parce que là, justement, tu m'as montré qu'avec le stéréo, t'es obligé de bouger pour vraiment entendre l'endroit d'où ça vient. Alors qu'avec le 7 points, si tu veux entendre oui, quelqu'un derrière mais... toi, bah, ouais, tu as mais... le droit. Euh, oui et non parce que en vrai c'était pas du 7.1 points. Le 7.1 point du coup ça voudrait dire que tu avais des enceintes qui étaient placées au niveau de l'arrière de ta tête. Oui, Là le 7.1 le... il était c'était juste euh, euh, pff, en fait c'était un c'était Là est-ce que vraiment je te donne du 7.1 points? Là, je suis en train de te recréer une espèce de spatialisation. Oh là là, je passe plus à droite, je vais être un peu plus à gauche. Est-ce que c'est... En fait, c'est juste un effet de réverb à la con, quoi. Mmh. Il, il, est, il est faux ce 7 point, il n'existe pas au final. C'est de la stéréo qui est... Euh... Ah, je sais pas comment. C'est un 7 point émulé, oui. En gros, ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, en bougeant ta tête, effectivement, tu sauras plus précisément où sont tes ennemis. Ok. Ouais. <laughs> Désolé, je parle simple. trop et c'est difficile d'expliquer. Ah, là, c'est mon cerveau qui a besoin, moi, de manger. <laughs> je t'envoie, tu me tiens au courant sur Discord. Ouais. Ok. Si tu as des questions auxquelles tu penses ce soir et demain, tu me les envoies sur Discord. De toute façon, okay. moi, je te fais un feedback total et avec un programme pour atteindre ton objectif. Ok. okay. Et, euh... et puis, c'est tout. Tu me tiens au courant de ton avancée de ton côté sur Discord. Ok, je ferai ça. C'est bon? C'est bon pour moi. Ça marche. Bon bye. Bah, merci encore. Bon... Bonne soirée Florentin. Bah, toi aussi. Ciao, ciao. Bye bye. Salut. Alors, faut que j'alte tab. Et je suis parti. Ok Il n'y arrivera jamais. <laughs> Comme d'habitude, le petit.